Eh bien, bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus à cette nouvelle session de stream, un point en retard de Elite Dangerous, c'est Monsieur Tsuya, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas pu commencer à 21h malheureusement, mais je suis enfin libre, donc on peut y aller pour poursuivre notre exploration profonde, toujours entre Beagle Point et Colonia, à la recherche de la vie, bien évidemment. Je ne vais pas perdre de temps, je vous bascule tout de suite sur le stream. Je vérifie juste avant que je n'ai pas de problème de connexion. Non, tout va bien. Donc nickel. Voilà, allez, c'est parti. Je perds pas de temps. On va essayer de se rattraper. On va charger le jeu direct. Hop. Ok, c'est parti. Si, il y a un truc que j'ai pas vérifié, c'est le micro, il est peut-être un poil trop fort, je vais le baisser. Voilà, là c'est mieux, excusez-moi. Ce sera mieux comme ça. Salut Sky. 2 secondes, je vérifie encore deux petits trucs. Hop. Voilà, ça c'est bon. Comment vas-tu Sky? Bon, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai réussi à régler tous mes petits problèmes que j'avais hier avec mes contrôles, notamment sur mes caméras. Il a fallu que je refasse tout. Je ne saurais expliquer pourquoi. C'est vraiment quand même très étrange comme phénomène. Mais j'ai réussi à tout réparer. Du coup, j'en ai profité pour tout rebasculer sur le clavier et la souris au niveau des contrôles caméra. Ce sera plus simple qu'avec mon X52. Ça peut paraître paradoxal, mais j'arrive à avoir des contrôles un petit peu plus fins, si vous voulez. Donc quand je fais ça, hop, que je sors la caméra, du coup, voilà. J'ai un contrôle beaucoup plus précis. Oh, alors, on a une superbe lumière là ce soir, j'avais même pas fait gaffe. La lumière est magnifique. Donc comme ça, voilà, le gros avantage de ce système. En plus, je peux zoomer, dézoomer comme je veux. Voilà, j'ai tout réglé avec la souris et clavier. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre. Ce sera plus simple de se balader dans la voie lactée, j'allais dire, avec la caméra autour du vaisseau, ce sera tellement mieux comme ça. Et alors, chose, mais par contre, la lumière, elle est fantastique là. La lumière est superbe. J'ai pas regardé, faut que je vérifie. Est-ce que j'ai laissé le contrôle DFX ou pas? Est-ce que j'ai mis le mode? Ouais, ça c'est bien ça. Je l'ai bien mis. Le mode Third Party IL, le premier de la liste. Si vous avez votre EDFX à jour. C'est dingue comment ça marche super bien. Salut UK. Bon, en tout cas, ça c'est réglé. Problème caméra, c'est fait. J'ai plus de problème avec la caméra. Vous voyez, hop, ça marche nickel. Je peux faire ce que je veux. Et je peux régler la vitesse de défilement. Hop, comme je veux. Voilà, ça c'est vraiment super bien. Voilà, j'ai vraiment réglé ça au poil. C'est le cas de le dire. Si ça vous intéresse, je partagerai mes bindings pour vraiment vous montrer. Comment régler parfaitement cette caméra extérieure. Et alors, cerise sur le gâteau, j'ai aussi réussi à remettre, voilà, la caméra intérieure. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer hier qui ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que dans la cabine, pour pouvoir régler comment dire, mode anaglyphe, le mode anaglyphe du jeu, il y a un point de repère qui est juste parfait. Pour pouvoir régler depuis la cabine sans sortir, etc. C'est de regarder tout bêtement votre épaule, la gauche ou la droite, comme vous voulez. Moi, je regarde la gauche. Et quand on active le mode anaglyphe, si jamais il y a des images fantômes, ce genre de choses, vous pouvez le voir sur l'épaule. L'épaule, en fait, elle est comme elle est proche, en fait, c'est l'objet le plus proche de votre vision. Ça va permettre de vraiment calibrer. Donc les différents paramètres que je vous ai montrés hier. Choisir le bon mode de DFX ou l'enlever, vous le verrez ici. Parce que là, comme l'objet est très proche, soit ça va vous faire loucher si il y a trop de relief, donc si vous avez monté trop haut la barre de relief, soit vous allez avoir une image en double si vous n'avez pas choisi le bon mode EDFX ou si vous l'avez mis... Enfin bref, ça vous permettra de le voir. Vous aurez forcément l'image dédoublée
parce que l'épaule, c'est l'objet le plus proche. Donc c'est un bon point de repère. Et c'est ce que je voulais vous montrer hier, il n'y avait pas moyen. Donc je ne sais pas pourquoi la caméra avait bugué hier, mais cette fois-ci ça marche bien, et donc on peut faire pareil avec la droite. Je peux d'ailleurs le tester tout de suite. Hop. Alors on est dans le noir, mais c'est pas grave, mais la lumière est fantastique. Je vais juste prendre une petite photo à l'extérieur, parce que c'est trop beau. Sans déconner. C'est quoi cette lumière de dingue là? Trop la classe. Alors je vais me mettre comme ça, voilà. Magnifique lumière, je prends une petite photo, hop. Alors j'espère que ça va marcher par contre. Ah, mode photo, il va bugger. Non, c'est bon, il fonctionne parce que j'ai vu que l'appli Nvidia avait besoin d'une mise à jour et je n'ai pas eu le temps de la faire. Donc, ça, pour l'instant, ça bug pas, ça va. Bref, donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, on va tout de suite rebasculer en mode anaglyphe pour que enfin je puisse vous montrer la manière dont vous pouvez régler ce mode grâce à votre épaule. Ça avance sur The Quest Sky, c'est vrai? Cool. Donc là, hop, si j'active le mode anaglyphe, hop, je l'active. Alors, par contre, là, j'ai fait exprès justement pour vous montrer. J'ai mis donc le séparation 3D, c'est-à-dire comment dire, la sensibilité du relief au maximum. Donc là, pour le coup, ça va vraiment nous faire loucher. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je mets les lunettes. Hop. Donc si vous avez les lunettes, allez-y. Au moins, je vais pouvoir vous faire la démonstration que j'ai pas pu vous faire faire hier soir. Hop. Voilà, je règle bien. J'applique. Et on est reparti sur le jeu. Hop. Voilà. Donc là, c'est violent, hein. Le relief est au maximum. On le voit sur la TH, c'est quand même super fort. Bref, donc si je tourne la caméra, donc vue subjective hein, dans le menu graphisme, et que je le mets, voilà, devant mon épaule, vous voyez que l'épaule, oh la vache, ça fait super loucher, quoi. Donc ça veut dire en fait que votre réglage, il n'est pas bon. Il faut justement affiner ce réglage. Donc on va repartir dans le menu. Hop. On va dans Options. Dans graphisme, dans 3D et dans le mode anaglyphe, on va baisser par exemple à la moitié l'effet de relief. Ok, le parallaxe, c'est pas grave. Moi, j'aime bien le mettre au maximum, mais ça, encore une fois, c'est pas gênant. C'est pas gênant. On peut le laisser, à la moitié ou l'enlever. Ça a aucune importance. Donc, j'applique. Là, déjà, c'est déjà plus visible dans les menus, mais vous allez voir. Regardez, hop, votre épaule, elle est presque nette. Donc le but du jeu là, et ça va vraiment dépendre comment dire, de la distance que vous avez avec votre écran. Ça va dépendre de votre vision aussi tout simplement, hein, votre capacité à voir les objets, etc. Plus ou moins près. Donc là, on a encore un petit effet comme si ça faisait loucher en fait. D'accord? Donc si je veux complètement enlever cet effet, je vais continuer d'affiner la barre. Hop, jusqu'à ce que je n'ai plus cet effet qui nous fait loucher. Donc je le rebaisse d'un quart par exemple. Hop, j'applique. Je reprends. Et là, l'image est nette. Là, l'image, elle est parfaite. Là, pour ma part, avec ma distance que j'ai avec l'écran, la luminosité, ce genre de choses, je n'ai absolument pas d'image fantôme. Donc pas comment, l'épaule qui se dédouble, par exemple. Et l'image du relief est nette, elle ne vous fait pas loucher. Donc après, je ne sais pas comment c'est vraiment de votre côté, il faut me donner un retour. Mais là, moi, j'ai une image absolument parfaite. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer hier le test de l'épaule, parce que comme c'est l'objet le plus proche, là, dans la cabine, vous pouvez vraiment comment dire, prendre ce maître étalon, j'ai envie de dire, comme étant une source sûre pour pouvoir régler comme il faut votre effet relief, votre effet 3D. Bref, donc là par exemple, si je veux vous montrer l'effet de l'image fantôme, je vais changer le mode EDFX. On va remettre la sélection que j'avais d'habitude. Hop, là vous allez voir que ça va modifier les couleurs en fait, rouge et cyan. Du jeu, donc du coup, ça va flinguer mon effet.
Voilà, et là j'ai voilà, on a clairement une image fantôme. Normalement, vous devriez l'avoir aussi. On a une image bleutée violette, donc cyan, qui se dédouble sur le bas du bras, le haut du torse, etc. On voit bien le décalage. Donc pour éviter ça, eh bien, il faut soit enlever le mode EDFX, soit passer sur le premier choix du mode EDFX, le mode third party IL. Voilà. Donc là, vous avez vraiment la preuve que bah, votre épaule peut servir en fait de test. Et c'est un test efficace. Hein. On peut vraiment voir la différence. Donc là, du coup, je vais repasser. D'ailleurs, je vais carrément supprimer EDFX. Je le désactive pour vous montrer encore plus la différence. Là, ça va marcher encore mieux normalement. Voilà. Là, on a les couleurs originales du jeu qui sont faites vraiment pour le mode. Enfin, disons que le mode anaglyphe est parfaitement calé avec les images, les couleurs du jeu original. Donc là, on a une image absolument parfaite. Donc je peux tester avec l'épaule droite, ça fait pareil. Voilà. Ça ne doit pas vous faire loucher, ou très très peu. Et surtout, vous ne devez pas avoir d'image fantôme. Et à partir de là, vous savez que vous avez une image parfaitement réglée, une image anaglyphe parfaitement réglée. Alors par contre, là, vous avez vu, la couleur a complètement changé, hein. On n'a pas du tout la même couleur. C'est pour ça que je remets le mode EDFX sur le premier choix de la liste. Parce que, hop, il va nous redonner des couleurs un petit peu plus pétantes et qui ne posent pas de problème. Voilà, c'est un petit peu plus clair. Et ça ne pose pas de problème pour le mode anaglyphe. Donc, autant le laisser. Moi, je préfère régler comme ça, c'est nickel. Ça marche parfaitement là. Regardez ça. Voilà, donc je suis bien content de pouvoir enfin vous montrer que ça fonctionne. Alors ce que je vais faire. Alors je vais redésactiver le mode anaglyphe, on va pas s'y remettre tout de suite. Hop, je vais le désactiver. Alors on va repasser en vision normale. J'applique. Hop. Vous pouvez enlever vos lunettes. Mais au moins, voilà, vous savez que ça fonctionne. Et hop, on va reprendre voilà, les couleurs normales dans le mode anaglyphe. Alors, normalement, je vous ai laissé exactement à l'endroit où on s'était laissé hier. Donc, normalement, je dois avoir des tubus devant, puisqu'on était en train de faire les biologiques de cette planète. Et il me semble qu'il y avait des. J'ai pas rêvé, non, ils sont là-bas. J'ai pas rêvé, par contre, ma caméra va être trop lointaine. Je vais pas arriver jusqu'au bout aussi. Non, voilà, ça bloque. Donc, il faut que je zoome. Voilà, pour voir les tubus. Donc, on va essayer de les faire. Je vais peut-être plutôt aller dans une partie éclairée, ce serait quand même mieux. Comme ça, on va explorer un autre biome de cette très jolie planète rocheuse. On va faire ça, ok? Allez, c'est parti. Du coup, alors ce qui est bien, c'est que si je désactive la caméra subjective, hop, ça me recadre au centre et je peux piloter sans problème. Voilà. Allez, on est reparti. Donc je repars en orbite, ça. Et on va retester les sondes pour voir où on peut trouver des biomes. J'ai envie de commencer par les tubus, on va commencer par là. Sur les tubus d'abord, il y a quatre formes de vie différentes ici. Du coup, si je fais ça, ouais, c'est bon, je peux repartir en orbite directe, parfait. Bon, très bien. Bon, sinon, comment ça va, les gars? Là, ce qui est génial, c'est que mon mode caméra là. Il est parfait. Je peux bien bouger la caméra et tout. Là, c'est beaucoup mieux qu'avec le X52 finalement. Oh la vache. Ouais, les couleurs sont superbes. On va repartir évidemment hein, du côté éclairé. Oh, il y a une jolie planète là-bas. C'est quoi ça? Oh, très joli.
Ouais, du coup, c'est voilà, je peux beaucoup mieux bouger la caméra comme je veux, c'est parfait. J'adore les effets que donne EDFX sur l'atmosphère, là, le mode EDFX, c'est trop bien. Allez, on retourne en arrière. Direction la planète. Et on va, voilà, checker les endroits. Alors, je vais déjà rebasculer du côté jour. C'est toute petite lune, hein. Donc je dis que c'est une planète, mais en fait, c'est une petite lune. Faut que je fasse attention parce qu'on arrive vite dessus, forcément. On en fait très vite le tour. Donc voilà, ça ce qui est cool maintenant c'est que ma caméra fonctionne à l'intérieur et je peux regarder. Nickel. Je peux regarder depuis la cabine, c'est quand même bien pratique comme si j'avais un trackier en fait. Puisque malheureusement mon trackier il fonctionne pas avec OBS. Je ne peux pas faire les deux. Ou si je veux mettre du trackier, je suis obligé d'enlever ma caméra. C'est quelque chose de faisable hein. Faut que je vire ma caméra en fait. Vous voyez pas ma tête et à ce moment-là je peux utiliser le trackier. Je peux pas faire les deux en même temps. Ok, alors. Voyons voir un petit peu. Ah oui, normalement on a tous les objets. Donc je vais prendre un truc au hasard. On va prendre une zone bleue au hasard. Puisqu'a priori, là-bas je vois une petite montagne. On va aller là-bas. Parce qu'a priori, on trouve de tout sur toute la planète, d'après ce que disaient les sondes, hein, si je me souviens bien. Donc on va aller là. Juste devant la montagne, là, ça va être sympa. Ah, est-ce que sinon c'est des zones rocheuses comme celle où on était? Les biomes plus clairs, là. Donc on va se choisir carrément un autre biome ici. Voilà, je vais essayer de descendre. Voilà, on va aller ici. Donc encore une fois, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, pourquoi mes contrôles avaient sauté hier, c'était vraiment très étrange quoi. Les contrôles caméra surtout. Je n'avais pourtant rien modifié dans les caméras, donc je vois pas pourquoi mon binding de mes touches avait sauté. C'est très étrange. Salut Surcouf. Hello, c'est mieux, je n'avais pas de lunettes. Oui, là c'est bon, là. J'ai pas mis le mode anaglyphe. Je l'ai mis juste en arrivant il y a 5 minutes, puisque j'ai pas pu commencer le stream à 21h. Où j'expliquais que j'avais enfin, hop, résolu mon problème. Non, alors, je veux pas diriger le vaisseau. Voilà, mon problème de caméra vue subjective qui ne marchait pas hier. Et là, enfin, il fonctionne. Donc, du coup, j'ai pu vous montrer la petite astuce pour pouvoir paramétrer comme il faut votre mode anaglyphe, justement, votre fonction anaglyphe, grâce à un élément dans le cockpit qui vous sert en fait de maître étalon, à savoir votre épaule. L'épaule droite ou gauche du personnage. Et donc, j'ai montré ça avant que tu arrives. Ok, donc là on est censé trouver ben, un peu tout. Écoutez, on va voir sur quoi on va tomber en premier. J'espère tomber sur les tubus, j'aimerais bien les faire en premier. Tu n'as pas de lunettes du tout sur Kouf là du coup. Parce que je me serais bien baladé dans les canyons là avec le relief. Mais bon, si tu les as pas, je vais pas les mettre tout de suite. On va déjà voir ce qu'on peut trouver au niveau des formes de vie au sol. La planète est belle, hein. Très jolie planète. Hein. Enfin, lune plutôt, c'est vraiment une toute petite lune. Non, pas lune du tout, pas grave, mais le relief. Ouais, je le mettrai après. On va d'abord chercher les premières formes de vie, hein, puisque j'avais pas eu le temps de le faire hier. Je le ferai après, c'est pas grave. En tout cas, ça donne envie là. Ça donne clairement envie. Ah, je vois des tubus ici. Parfait, je sors les trains. Hop. J'adore ces formes de vie, je sais pas pourquoi. Train d'atterrissage sorti. Alors, on va essayer de trouver.
Un endroit où se poser. Bah ici c'est parfait. On est juste à côté. Alors peut-être que. Je vais voir si je peux continuer à pied. Parce que la planète n'a pas des températures dangereuses. Donc ce serait intéressant de voir si je peux continuer à pied, voir si on peut trouver d'autres tubus dans le coin. Et faire tout à pied finalement. Ce serait pas si mal. Normalement je devrais pouvoir. On va revérifier. Puisque là, l'ATH n'est pas buggé. On n'est pas avec le mode anaglyphe. On va pouvoir voir exactement. Il y a 0,6 gravité. Voilà, 220 Kelvin. Donc c'est bon. Nickel. Oh, l'environnement est super chouette. Hein. Oh la vache. L'environnement est magnifique. Hein. J'adore. Le seul truc dommage avec le mode anaglyphe, c'est que ça change les couleurs. Puisque les verts deviennent blancs, les oranges deviennent marrons, ce genre de choses, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Voilà, on va aller au tubus direct. Ouais, on va y aller à pied vu que les températures ne sont pas dangereuses. On va avoir plus d'autonomie au niveau du. De la. Comment? De l'énergie, de la combinaison. Ils sont chouettes, hein? Avec ces petits. Ces petites petites fleurs mauves là. Très jolies. On va analyser ça. Hop. Une fois, je suis tombé sur une forêt immense de tubus. C'était impressionnant à voir. Et des hauts en plus, ils étaient hauts. Une vraie forêt, quoi. Ok, j'ai le premier, c'est du tubus cavasse gris. Ok, effectivement, les gris, je crois que je les avais jamais trouvés. Hein. Très bien. Est-ce que je peux me faire une petite photo devant? Attendez, on va se mettre comme ça. Vu que maintenant j'ai réglé le problème de caméra, on va en profiter. On va en profiter. Voilà, je vais me mettre comme ça. C'est peut-être un peu encore trop sensible, mais bon. Hop. Vers la TH. La tronche de mon personnage, quand même. Faudrait peut-être que je le refasse un petit peu. voilà, on va se mettre comme ça. Hop. Il est tout fier de poser à côté des tubus. J'essaie de voir si le mode photo fonctionne. Ouais, c'est bon. Nickel. Bon, eh ben écoutez, on va essayer d'en trouver d'autres. Je continue dans cette direction puisqu'on s'est posé par rapport à la zone. On voit le sommet là-bas. Tant que j'ai pas atteint le bas de la colline, on est bon. Hein. On est dans la zone où on peut trouver de la vie. D'après ce qu'on a pu voir avec les sondes en orbite. Ça. Donc théoriquement, il devrait y avoir d'autres formes de vie. J'espère qu'on va trouver d'autres tubus puisqu'on est en train de les faire. Tellement pas de gravité sur cette lune. Encore une fois, elle est vraiment petite. Hein. Moins de 1000 kilomètres de circonférence, si je me souviens bien. Donc elle est vraiment toute petite. Par comparaison, la Terre, je crois que c'est 7000 km de circonférence. 7-8000, j'ai vu. Ouais, l'environnement est beau. Hein. Oh vraiment chouette. Hein. Le petit nuage de poussière, là, c'est bien sympa. Tubus, il faut au moins 500 mètres entre chaque tubus pour le vaisseau. Non, 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 on va y aller à pied. Les températures sont pas dangereuses. Donc ça va. Même si j'utilise de l'énergie pour les cartographier, enfin pour les échantillonner. Ça va, je suis tombé à 83 là, ça va. J'ai encore le temps. Ne panique pas, surcoup. T'inquiète pas. Je maîtrise. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air nombreux là. Ils n'ont vraiment pas l'air nombreux. Ah, je vois une autre forme de vie ici, mais c'est pas les tubus.
Je crois que c'est les Touradons qui est ici. Hein. Ouais, c'est ça, c'est du Touradon. Hein. C'est marrant parce qu'il y en a en face sur les collines. Oh, j'aime bien comment c'est disposé là. Voilà, ça c'est du Touradon. Mais. Pas ce que je cherche là. Il faut trois échantillons de tubus. Il y en a plein d'autres là, c'est marrant. Là, il y a un petit côté photoréaliste qui est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal. Les couleurs sont vraiment chouettes là. Ah, les petites photos. Ensuite, je vais mettre la caméra sur le personnage. Hop. Je bloque, voilà. Bon, tubus, tubus. Est-ce qu'il y en a à l'horizon? Encore du Touradon ici. C'est chouette quand c'est étendu, hein, comme ça. Regardez-moi ça, ça fait un biome vraiment sympa, hein, avec tout un champ comme ça de Touradon. En plus, à flanc de colline, là, c'est vraiment chouette. Il y a un petit canyon, mais après, je crois que si j'emprunte le canyon et qu'on va au fond, on va sortir de la zone. Là, on est sur une zone restreinte. J'aurais peut-être dû choisir un peu plus grand du coup. Parce que je ne vois que tout Touradon. Je vois pas de tubus. Je vérifie, mais. Zéro tubus à l'horizon. Hein. Pas grave, on va crapuler. Hein. Mais dans ces cas-là, je vais reprendre le vaisseau, bien sûr. Si, j'en vois là-bas. Alors, est-ce qu'on est à 500 mètres? Telle est la question. Voyons voir à combien je suis là déjà du premier échantillon. Oui, je suis à 875 mètres déjà. Donc, il n'y a pas de souci. Cet échantillon sera viable. Et donc après, si je me souviens bien, la zone s'étend vers la. Vers là. Donc on essaiera de voir si on peut trouver du tubus dans cette direction. Je regarde des fois si j'enverrai l'horizon là-bas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Parfait. Allez, c'est parti pour le deuxième échantillon. Leur texture est super sympa. Il y en a un peu ça. Les textures sont classe, hein. On dirait du bois, mais en fait c'est pas vraiment du bois, je sais pas, c'est bizarre. Les textures sont vraiment classe. J'aime beaucoup. Ce jeu s'améliore de mise à jour en mise à jour. Enfin, ce DLC plus précisément. Ok. Alors, on va partir dans cette direction. On peut aller jusqu'au bord normalement. Même au-delà, puisque. Ah ben si je peux aller au-delà, puisque normalement, on n'est pas arrivé au pied de la colline. La limite, c'est le pied de la colline. Donc je peux continuer tout à fait dans cette direction, ça pose aucun problème. Et si je dois faire rappeler mon vaisseau ici, c'est pas un souci. Il peut se poser sans problème. Je vais pas me retrouver coincé. Ah oui, d'accord, ok, c'est des pierres. Vu comme ça, on aurait dit des ossements, c'était bizarre. J'avais cru découvrir un dinosaure, mais non.
Mais pas sur Arc. Ah, il y a une bactérie là-bas. Il y a encore des touradons ici, je les vois. Mais pas de tubus. Bon, de toute façon, je suis trop près là, faut que je m'éloigne. Ouais, encore touradons. Il y en a d'autres là-bas. C'est chouette, c'est étendu, c'est vraiment, vraiment classe. Bon, je vais tenter ma chance par là. Histoire de quand même rester autour du vaisseau. Je suis sûr que par là, il y en a. Si je remonte après la colline. Elle est belle, hein, la planète. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais moi, elle me plaît. Hein. C'est une jolie planète rocheuse, enfin lune plutôt rocheuse, qui a un petit côté photoréaliste que j'aime beaucoup. Quand je dis photoréaliste, hein, c'est parce que ça peut ressembler à la réalité de nos contrées terriennes. Je regarde par là. Je vois pas pour l'instant. En été, mais non. J'adore les textures, elles sont classe. Elles sont super bien fait les plissements de terrain là. On dirait des fossiles en fait, de je sais pas, ici un tronc, une feuille, j'en sais rien. C'est vraiment chouette, hein. Ça mériterait presque une petite photo. J'aime beaucoup. Il y a des textures vraiment sympas, quoi. Donc quand je tombe sur une texture sympa, vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher de prendre une photo. Il y en a qui font des herbiers en collectionnant les feuilles, les plantes et tout ça. Moi, je fais des photos de textures de sol de jeux vidéo. Chacun son truc. Salut Eki, comment vas-tu? Juste un petit coucou avant d'aller dîner. Pas de soucis, t'as pas encore mangé? Ah, il est peut-être. Oh, oui, t'as pas la même heure que nous, peut-être. C'est pour ça. Si, enfin, si, normalement. Sympa ce relief, t'as vu ça? Une jolie petite lune rocheuse. Comme je le disais juste avant que tu arrives, une petite lune qui a justement ce petit côté photoréaliste que j'aime tant. J'ai eu l'occasion de regarder en live le lancement d'Artemis ce matin. Oh, punaise, t'as dû te lever tôt. Avant de filer au taf. Terrible suspense du lancement. Ouais, jusqu'au bout. Hein. Moi, j'ai vu l'ardif. Jusqu'au bout. Avec les ingénieurs qui j'allais dire, qui viennent mettre du scotch sur la fusée pour que ça pour arrêter que ça fuit. Enfin, pour plus que ça fuit. C'était un peu ça, quoi. C'était assez drôle à suivre. Effectivement. Par contre, je reviens pas de la taille de cet engin, quoi. Comment est-ce qu'ils font décoller une masse pareille? C'est un truc de dingue. La fusée, elle est juste énorme, quoi. Je sais pas comment ils font. Moi, ça me laisse sans voix. Je suis sidéré qu'ils soient capables de faire décoller un engin massif comme ça, quoi. Après, tu m'étonnes que ça fuit, quoi. Comment? La quantité d'hydrogène qu'il doit falloir, quoi. Elle refoule en permanence en attendant le décollage. Mais ouais, tout à fait, c'est ça, quoi. Donc, non, mais c'est. On aurait pu croire, effectivement, que elle est encore restée au sol, hein. En tout cas, c'était magnifique à l'avoir décollé, hein, même si je ne l'ai pas vu en direct. La rediff était
Impressionnant, enfin vraiment les images sont impressionnantes. Et ce qui m'a encore le plus sidéré, c'est la vitesse à laquelle elle est montée. Parce que punaise quoi, je veux dire, je sais pas combien de tonnes elle pesait là, mais ça m'a sidéré. J'ai trouvé qu'elle allait super vite en fait à grimper quoi. Elle a décollé tout de suite et elle est partie très vite. Je me dis, mais comment ils font quoi? C'est. Bravo aux ingénieurs en tout cas. C'est vraiment une fusée hors norme. 200 000 spectateurs sur place, je crois. Je ne pensais pas autant. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou, hein. Bah, c'est simple, hein. C'est la première étape pour revenir sur la Lune, hein. Donc, forcément, il y a toute une génération qui a connu les premiers pas sur la Lune, et il y a toute une génération qui a seulement entendu parler des premiers pas sur la Lune, comme la nôtre, et qui n'a qu'une envie, c'est de voir ça en vrai, quoi. Donc, surtout là, avec la qualité d'image qu'on peut avoir maintenant, ça va être quelque chose, hein. En 2025, si tout va bien. À moins que la Chine, nous coupe l'herbe sous le pied et envoie un astronaute chinois, donc avant nous sur la Lune, avant les Européens et les Américains. Bon, je ne trouve pas Tubus, je vais revenir au vaisseau. Peut-être que sur le chemin, je vais en trouver. Je vois encore du tout radon là-bas. Ah, il me faut juste un autre échantillon, mais je n'en vois pas. 69, ouais, c'est ça, les premiers pas sur la Lune. Et c'est allé jusqu'en 73, 14, je sais plus. Avec toutes les missions Apollo qu'il y a eu derrière. Bon, je pourrais prospecter encore, j'ai le temps, hein. J'ai que 40% là encore d'énergie, mais comme la planète. Ah, il y a du tubus. Parfait. Comme la planète, elle n'est pas dangereuse au niveau des températures, l'énergie de la combinaison ne baisse pas rapidement. Oh, punaise, mais regardez cette vue. Oh, c'est chouette, hein. Oh, j'adore, hein. Magnifique. La vue est splendide. Tu vas te faire quoi à manger, Guy? Si c'est pas indiscret. Salut Gonzo. Bonsoir. Exceptionnellement, mon père m'avait autorisé à veiller devant la télé pour l'alunissage. J'avais 12 ans. Bah ouais, tu m'étonnes, ça a dû être quelque chose de voir ça en vrai. Hein. Oh. Même avec la qualité pourrie qu'il pouvait y avoir, je pense que c'était. Ça devait être quelque chose. Hein. J'aurais bien voulu voir ça en vrai, mais j'étais pas encore né, moi. Je suis né en 72, donc. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de voir ça. Allez, alors là pour le coup, il est dépouillé, il n'a pas de fleurs. Il est tout moche, mon tubus. Mais voilà, je vais quand même l'échantillonner. Hein? Échantillonnage impossible? Non. Bah, je suis à 1,4 km. Pourquoi il n'est pas viable, tu vois? Ah, donc c'est 800 mètres alors. Je peux pas le prendre parce que je suis trop près. De l'autre échantillon. Faut que je m'éloigne. Ok, donc je pensais que je pouvais le prendre, mais non. En fait, quand je me suis rapproché du vaisseau, je me rapproche du premier échantillonnage, et c'est pas bon. Ok. Bon, je vais attendre jusqu'à 25% de ma combinaison. Parce qu'il faut que je prenne en compte le fait que quand tu scannes ton énergie baisse de manière conséquente, donc faut quand même que je me garde une petite marge pour revenir au vaisseau. Rien qui fait rêver et qui est bon? Salade de pâtes, brocoli et lentilles. Ah, j'adore les lentilles. Si, c'est très bon. J'adore le brocoli et j'adore les lentilles. Donc c'est bon, tu peux m'inviter chez toi. Je te ferai pas honte. Je mangerai tout. Ok, bah écoute, passe une bonne soirée, très bon appétit du coup. Et puis, merci beaucoup d'être passé, qui à la prochaine. Merci à toi. Donc là, je suis à 820 mètres. Donc là, si je trouve un tubus dans les parages, je devrais pouvoir l'analyser. Mais
Oh, puis là, la vue est magnifique. Mais voilà, faudrait que ça vienne vite là parce que je commence à quand même avoir peu d'énergie. Ouais, à bientôt, ciao. On va voir, il n'y a pas un tubus qui traîne là? Même tout dépouillé et sans fleurs, je prends. Non, il n'y a que des bactéries là. Oh, j'ai pas de chance. On va aller sur la crête. Mon tour à don, il n'y a pas de problème, il y a ce qu'il faut. J'aimerais bien un dernier petit tubus là. Parce que là, pour le coup, ils sont pas disposés en forêt. Hein, donc, on a un petit peu de mal à les trouver. C'est quoi que je vois là-bas? Des fois, quand je vous fais des streams comme ça, j'ai tellement envie de me mettre la bande sonore de Interstellar pour jouer en même temps. Ce que je fais des fois en off. Mais bon, bah voilà quoi, ça passerait pas sur Twitch. Mais j'aimerais tellement, avec un paysage comme ça là. Une petite musique d'Interstellar ou une petite musique de Zimmer, ce serait parfait quoi. Ce serait parfait. J'arrive pas à savoir ce que c'est ça là-bas au fond. On va zoomer. C'en est ou c'en est pas? Si, c'en est. Ok, je vais y aller. C'est bon, on les a trouvés. Par contre, enfin, je fais gaffe pour le retour, ça va être juste niveau énergie. Hein. Ça devrait le faire, mais il va falloir être super prudent. Et c'est quelque chose qui t'avait marqué, le Gonzo, du coup, de voir les hommes marcher sur la Lune. C'est quelque chose qui t'est resté après ou t'es passé à autre chose et puis tu t'es dit moi j'aurais préféré mes dessins animés. Puis la réaction de tes parents aussi. J'aurais bien voulu. Enfin, je sais pas si tu t'en souviens, comment est-ce qu'ils ont réagi? Je suis à 29%, attention. Ça va être chaud là, je vais perdre 15% là avec. Voilà, je vais me dépêcher. Hop, je me dépêche. Voilà, 23, 22, 21, 20%, 19. 19, je me casse. Mais c'est bon. Ah! Attends, ça n'a pas échantillonné? Punaise, ça n'a pas échantillonné, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Oh la vache, 8! Je me casse. Direction vaisseau. Il me reste 8%, ça va être chaud. Hein. Allez, je me dépêche. Ça devrait le faire. Un petit kilomètre. On va y aller avec le thruster. Une empreinte indélébile, c'est vrai, le Gonzo. Aussi forte que la trace du pas sur le sol lunaire. Ah ouais. C'est cool. C'est cool que ça t'est resté finalement. Mais est-ce que tes parents étaient aussi enthousiastes? Ou bien au contraire, c'est peut-être quelque chose qui faisait peur. Hein. Parce que ça a fait peur aussi une partie de la population mondiale. Hein. Le fait de pouvoir comme ça partir dans l'espace. Enfin, moi je sais que j'avais mes grands-parents notamment. Enfin, ça arrivait qu'on discute de tout ça. Et pour eux, ils disaient ouais, ils vont faire tomber la Lune. Enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. J'avais vraiment peur, quoi. J'étais demandeur car sur la télé trônait la maquette du LEM que j'avais faite. Ah oui, d'accord. Ok. 5%, punaise, c'est chaud. Bon, je vais plutôt marcher parce que j'ai l'impression que quand j'utilise le thruster, ça fait baisser l'énergie. Il me reste 800 mètres. Est-ce que je vais arriver?
Où est-ce que je vais mourir? Bon, je vais pas mourir tout de suite, hein. Si jamais j'ai plus d'énergie, c'est l'O2 qui va commencer à descendre. Donc j'ai une petite marge. Dans la famille, nous étions tous persuadés de vivre un moment historique. Mais c'est clair, c'est clair. C'est cool. C'est cool que... Voilà, que c'est pas un événement qui vous a fait peur, finalement. Et effectivement, c'était vraiment un moment historique. Toi, au moins, tu peux dire que tu as vraiment vécu en direct... Les premiers pas sur la Lune, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un moment que j'aurais voulu vivre, quoi. Même si ça vieillissait de quelques années, j'aurais bien voulu le vivre comme toi. Trois %. Punaise, je prends un risque, hein. Je prends un risque, mais on va y arriver. Donc ça va être de l'autre côté de la colline. Je n'ose pas courir. J'ai peur que ça fasse baisser encore plus mon énergie. Punaise, je prends vraiment un risque. Je suis débile. Si je saute, c'est pas mieux. Je sais pas si je vais plus vite en sautant. Il n'y a que 0,6 de gravité, donc 0,06. En théorie, je vais plus vite. Mais est-ce que ça fait pas baisser plus vite mon énergie? Je pense pas. Si, j'ai une capsule d'énergie. Si, si, je dois en avoir une. C'est juste que je sais plus comment on l'enclenche. Je me souviens plus de mes raccourcis. Mais je dois en avoir une. Dès que la dernière fois que j'ai voulu l'enclencher. Oh punaise, non. Ah, c'est une côte que je peux pas franchir. La dernière fois que j'ai voulu l'utiliser, j'ai lancé une grenade à la place, donc. Je me souviens plus des contrôles. Oh punaise, 1%. Allez, on y croit. Ça, c'est une mission à la Star Trek là. Allez, allez. Allez, on y est presque. On y est presque. Voilà, batterie déchargée, donc vous voyez l'O2 qui commence à descendre. Voilà. Mais c'est bon, je suis à 80% là. Ça devrait le faire. Il me reste 200 mètres. Donc là, à la limite. %. Il me reste 150 mètres. Je vais courir. Je sais pas si ça fait baisser plus. Hein. Évidemment, si je sprint, n'y a pas de souci, on arrive, on arrive, on arrive. 20%. 20%. Allez, vite, 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 vite. 10, punaise, sans déconner, au pourcent près. 5%. Il me restait 5% d'oxygène. Oh, le suspense là. Oh, le Sinfest, il nous fait du Planet Crafter dans l'élite. Exactement. Exactement, le Gonzo. Et tu me disais quoi? Et je suis aujourd'hui très excité par cette nouvelle aventure spatiale. J'espère vivre Mars un jour. Ouais, c'est clair. La prise de risque, elle était maximum là. C'est clair. C'est clair. Oh la vache. À 5% d'oxygène près, ça s'est joué. Hein. On va arrêter de faire le con. Du coup, je vais plutôt aller chercher mon rover pour aller pour faire du coup le tour à don, puisqu'il y en a plein dans le coin. On va éviter de prendre d'autres risques comme ça. Il y a une chose que je vais faire tout de suite, c'est regarder mes contrôles. J'ai complètement oublié. Commande au sol. Alors, bon, ça c'est les commandes. Voilà, courir. Sauter, interagir avec la roue. Ok, ça je sais. Lancer une grenade. C'est X, donc faut pas que j'appuie sur X. X ou G d'ailleurs. Recharger l'arme. Outil. Arme secondaire, arme suivante. C'est quoi la cellule d'énergie? Voilà, utiliser une cellule, c'est I. Ok, j'aurais jamais trouvé. Faut que je la mette à proximité de...
proximité de ma main. Qu'est-ce que je vais faire plutôt? Je vérifie les autres contrôles. C'est ça, cellule d'énergie, c'est bien I. Bon, faut que je me mette ça dans un coin de la tête. Je vais pas changer le binding là. Mais c'est la touche I pour mettre une cellule. Faut que j'y pense, c'est tout. Je note ça quelque part. Bon, je saurai pour les prochaines fois. Ok. Bon, du coup, je sors le VRS. On va prendre moins de risques. Ok. Eh ben c'est parti. Alors, je sais que par là, il y en a. J'en ai vu sur le plateau là-bas. Enfin, sur le plateau. Sur le flanc de colline. Voilà. Ouais, je les vois là-bas. Ok. Parfait. Hop. On va faire du coup les tours à dents. J'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver quand même. Hein. Je vais pas le dire, mais j'ai quand même. J'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. J'aurais eu l'air con. Disons-le. J'aurais vraiment eu l'air con. Parce que j'aurais perdu toutes mes données biologiques. Hein. Voilà, j'ai trouvé le Touradon Propaguito jaune. Ok. Je l'ai encore jamais vu, celui-là. Alors, par contre, de mémoire, je crois que c'est du 250 hein, de distance. 250 mètres entre deux échantillons. Pour que ce soit validé. On va aller par là, je vais m'éloigner. Hop. Il me semble qu'il y avait un petit rebord par là. Et je crois qu'en avoir vu par ici. Juste descendre. Trop cool que j'ai retrouvé l'usage de ma vue subjective là. Ah, il y a encore du tubus là-bas. Ouais, si j'avais su, j'aurais pu en chercher ici, j'avais pas vu. J'en vois pas d'autres. Pourtant, il y en a dans le coin, c'est sûr. Oh là là, je fais n'importe quoi. Le relief est super sympa en tout cas. J'aime beaucoup. Oh, la petite forêt de tubus là. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Alors. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est cool. Voilà un petit peu. C'est pas ce que je voulais faire ça, voilà. Ah oui, c'est sympa là. Et puis, ah, il y a plein de touradons à l'intérieur. Là, on a les deux espèces qui partagent un même biome. Ce qui est assez rare, hein, finalement. Même un même espace de vie, c'est assez rare. Ça mérite une petite photo, ça. Ok. On va s'approcher.
Hop, je me gare ici. Oh, j'ai oublié de mettre le frein à main. J'espère que je vais pas reculer dans la pente. A priori, non. Du coup, ici, est-ce que ça suffit? Je vais peut-être même aller prendre celui qui est tout au bout. Waouh, c'est sympa à pied là. La petite forêt de tubus, enfin forêt, faut pas exagérer. Ça fait très paysage californien là, je sais pas, il y a quelque chose de. On dirait des cactus en fait. C'est chouette, hein? La lumière est très jolie, hein. Même si j'ai un mode DFX là, qui modifie légèrement la lumière. Oh punaise, j'adore. Les effets sont chouettes là. Si ça vous ennuie pas, je vais repasser en mode anaglyphe là pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il n'aura pas les mêmes couleurs, c'est clair, mais l'impression générale de se balader dans un milieu avec de la vie là, ça peut être vraiment sympa. Je grimpe juste en haut de la colline là pour prendre un échantillon. Ah ouais, la vache, c'est trop loin. Regardez ça. Regardez tout ce qu'il y a. C'est fou, hein? Et ça s'étend encore. Trop bien. On a trouvé un endroit absolument charmant. J'adore. Bon, je sors mon échantillonnaire. Hop. Et on va capturer l'ADN de cette plante. Ça va me faire deux échantillons. Voilà. Et si vous voulez bien, je vais retester en mode anaglyphe. On va se mettre comme ça. Je vais rester comme ça. Hop. Parce que j'ai envie de voir en fait l'effet que ça fait là, avec les tubus et tout là. Donc du coup, je l'active. Voilà, on peut chausser les lunettes pour ceux qui ont les lunettes anaglyphes. Red Dead Redemption, sûr. Ah ouais, non mais. On n'imagine pas à quel point là. Allez, j'applique. Hop. Parfait. Donc du coup, on va se mettre en mode. Voilà, comme ça, pour pas être gêné. Par non, je vais pas m'accroupir. Voilà, par l'interface. Ah oh ouais, ah oh ouais, punaise, c'est classe. Ah, oh, c'est trop classe. Ah, oh, j'adore. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Hein. Ça devient beaucoup plus uniforme, comme si on était passé au noir et blanc, en quelque sorte. Mais ça le fait. Hein. En 3D, le. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. En 3D, ça le fait. Ça le fait vraiment. Là, je sais pas si vous ressentez le petit effet là qu'il y a là pour ceux qui ont les lunettes. Là, on voit bien la pente là devant moi. Avec les petites fleurs qui bougent là. Oh punaise, c'est trop bien. Ça fait vraiment Far West, absolument. Avec les cactus et même les roches environnantes, ça fait vraiment Far West. Absolument, c'est tout à fait le mot. Oh, c'est trop bien. Moi qui rêve de jouer en casque VR sur Elite depuis le début. On a la VR du pauvre là, mais elle fonctionne très bien et même si on n'a pas les vraies couleurs. Oh, c'est trop bien quoi. Trop bien, l'effet est trop chouette. Et là, il n'est pas trop fort. Hein. Vous avez vu, je ne l'ai pas mis trop fort. J'ai bien réglé par rapport aux paramètres que je vous ai indiqués tout à l'heure. Oh mais c'est trop chouette. Alors ce qui est bien aussi, c'est que, regardez, je sais pas, quand on se balade, l'effet 3D, enfin relief, comment dire, ça rend hyper réaliste les ombres aussi.
Quand je passe là sous le, voilà, les ombres des cactus, j'allais dire des tubus là. Les ombres sont super chouettes quoi. Non, c'est cool. La colline qui se décale à gauche, droite est plus sympathique. Oui, en plus, là j'ai activé le mode. Donc si je fais ça, faut le faire aussi de votre côté pour pas que je sois tout seul à être passé pour un idiot à faire ça. Mais avec l'effet parallaxe, ça crée un décalage qui est assez sympa. Quand on bouge de droite à gauche. Oh là là, oh là là. Là, les effets sont top. Et là, on a une 3D anaglyphe qui est réglée aux petits oignons. Là, là elle fonctionne d'enfer. C'est pas fatigant. On a quand même les effets, même s'ils sont pas super super forts. J'ai fait exprès de pas les mettre trop forts. Et on voit le relief sans aucun problème. Ça donne envie de se balader à l'infini là dans ce champ de fleurs. C'est trop bien. Putain, mais c'est beau. Sans déconner, quoi. C'est vraiment chouette. Magnifique. Magnifique. Alors, je peux peut-être accentuer un petit peu plus avec l'effet de zoom. Comment je fais? Ah, faut que je me mette comme ça. Voilà, ça marchera mieux. Voilà. Voilà, si je zoome, pardon, sur le casque et la caméra, voilà, ça va donner un effet encore plus sympa. Oh, putain, c'est la classe. Sans déconner, c'est la classe. C'est juste la classe. Il est trop bien ce mode anaglyphe. Franchement, je kiffe. Et si vous voulez kiffer avec moi, n'hésitez pas à taper point d'exclamation shop dans le chat pour obtenir vos lunettes 3D anaglyphes comme les miennes. Et participer de chez vous à mon live en 3D anaglyphes. C'est simple, hein. Ce que je montre actuellement à l'écran, si vous avez les lunettes, vous avez forcément la même. Vous voyez exactement la même chose que moi. Oui, j'allais le dire, c'est bien plus efficace qu'hier. Je me demandais si c'était moi. Non, mais c'est parce que je l'ai réglé au poil, là. Je l'ai réglé au poil. Je vous ai indiqué, hein, sur le Discord, point d'exclamation Discord. Comment faire pour régler votre 3D au mieux. Oh, mais c'est trop beau, sans déconner. Oh, l'effet, il est juste génial. Alors, une chose qui peut être paradoxale aussi, c'est que si vous regardez ça sur un grand écran, plus vous avez un grand écran, et plus il faut vous éloigner de l'écran pour avoir un bon effet. Faut pas se coller le nez à l'écran, comme on pourrait le penser. C'est tout l'inverse. Plus l'écran est grand, plus il faut se reculer. Et là, vous pourrez vraiment apprécier dans toute sa globalité l'effet 3D, quoi. Trop chouette. Bon, par contre, là, je suis obligé d'enlever, voilà, la caméra parce qu'il faut que je regarde où se trouve mon rover. Il se trouve par là. Hop. Quand même que je retourne au rover. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, saute. L'effet est super chouette. N'hésitez pas à vous procurer ces lunettes. Hein. Vous avez là une paire cartonnée comme la mienne pour moins de 3 euros. Ça vaut vraiment le coup. Sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Si évidemment, en plus, je peux trouver d'autres jeux qui utilisent la techno-anaglyphe, on pourra se faire d'autres effets comme ça sur d'autres jeux, pas que sur Elite, puisque là pour l'instant il n'y a que Elite auquel je joue qui propose cette 3D anaglyphe, mais
Il y a peut-être moyen de se faire d'autres jeux en 3D Anaglyph, ce serait cool. Faut que je regarde ceux qui pourraient nous faire ça. Si vous avez des suggestions, évidemment, je suis preneur. Il y a peut-être moyen de se faire d'autres kiffs en mode Anaglyph. Oh, j'adore. Les tubus, ils sont magnifiques. Et eux, ils ont conservé leur lumière violette, enfin leur couleur violette. Waouh, c'est chouette. C'est classe, hein. Il n'y a que toi, hein, je crois, UK, hein, qui les a là, en ce moment, les lunettes. Donc, à la limite, il n'y a que toi, là, pour l'instant, qui comprends ce dont je parle, quand je vous explique les sensations que ça donne. Au moins, tu peux le constater par toi-même. Salut Simba, je reçois mes lunettes demain. Ah bah c'est parfait, tu vas pouvoir voir les photos que j'ai prises. Et puis n'hésite pas à revenir sur le replay de ce live pour voir les effets là. Parce que là on est sur une planète qui nous donne de superbes effets. Ok, allez je les désactive parce que je vais remonter dans le rover. Hop, je désactive le mode. Hop. Voilà, je désactive. Vous pouvez enlever vos lunettes. C'est bon. Je vais même peut-être rejouer. Ben, j'espère, ce serait cool. Ce serait cool. J'ai vraiment expliqué hein, comment il fallait faire sur mon Discord. Quand j'aurai un moment, j'essaierai de vous faire un tuto. Sous format vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais là pour l'instant j'ai pas eu le temps donc mais j'essaierai de vous faire ça. Et si vraiment tu veux savoir comment régler au poil tes effets 3D relief, il faut que tu ailles sur mon Discord et dans la section mode d'Elite Dangerous, tu vas pouvoir voir tout ça. Alors juste pour ceux qui n'ont pas de lunettes, voilà. Je vous remonte une dernière fois ce paysage parce que sans déconner ça vaut le détour même si voilà si je me mets en plein écran regardez-moi ça paysage type western même sans mode anaglyphe ça le fait aussi hein. C'est quand même chouette oui tout à fait sur coup un tuto serait utile ouais. Je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Ça, ce serait bien sympa en fait. Qu'on puisse tous se partager comme ça des petites sessions en mode anaglyphe. Surtout que même si vous n'avez pas le jeu, il suffit de regarder votre écran de la diffusion que je vous fais et vous pouvez avoir exactement les mêmes sensations que moi. Ce qui n'est pas le cas avec un casque en réalité virtuelle. Je joue tout seul en réalité virtuelle dans mon jeu si j'avais un casque et vous ne pourriez pas en profiter. Alors que là, vous avez vraiment les effets relief dont vous pouvez profiter directement via votre écran en suivant le live ou en regardant les replays. Donc c'est plutôt cool comme façon de partager la réalité virtuelle quelque part. Elle n'est pas parfaite, hein, encore une fois, c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister et c'est quelque chose qui finalement ouais, est partageable. On peut tous partager ça ensemble et ça c'est cool. Franchement, le jeu rattrape Star Citizen sur certaines planètes, ouais, c'est clair. Bon, c'est pas aussi bien défini. Hein. On n'atteint pas la définition de Star Citizen, même si ça peut y ressembler. Mais c'est vrai que sur certains aspects, ouais, y a même, je trouve, des moments dans Elite Dangerous qui sont mieux faits que dans Star Citizen. Par contre, je suis borgne. Je pourrais profiter des lunettes, on est d'accord. Ah, c'était borgne, non. Parce que t'as un côté rouge et un côté cyan. Donc ça marchera pas. Dans ces cas-là, non, ça peut pas fonctionner. Hein. Il faut évidemment. C'est une image qui est dédoublée, donc il faut les deux yeux. J'ai pas précisé, mais il faut les deux yeux. J'aimerais bien pouvoir utiliser une paire de lunettes qu'utilise. Regardez, il y a un autre mode. Je vous montre ça parce que je ne sais pas comment on l'utilise en fait.
Il faut que je me renseigne. Ici, dans la 3D, on a le mode côte à côte. Alors, je vais le tester juste pour vous montrer ce que c'est. Mais si on fait ça, que je l'active, hop, vous avez l'écran qui est dédoublé. Donc, je suppose que ça sert, enfin, ça utilise la même technologie hein, que le mode anaglyphe, mais c'est avec des lunettes spéciales. Peut-être les lunettes qu'on a, vous savez, dans les cinémas. Les cinémas, quand on regarde un film en 3D, on a des lunettes spéciales, mais qui ne sont pas anaglyphes. Donc peut-être que le mode côte à côte utilise cette technologie, j'en sais rien. Il faudrait que j'essaye. Parce que l'avantage de ce mode-là, c'est que j'ai l'impression. Alors je vais retourner, hop, dans le jeu. Voilà, j'ai l'impression les couleurs sont pas modifiées, on est d'accord. Je sais pas si ça peut fonctionner avec des vraies lunettes de cinéma. J'en doute fort parce que je pense pas que ça fonctionne comme ça. Mais bon, bref. En tout cas, il y a ce mode-là qui est censé faire du relief aussi, mais je ne sais pas comment on l'utilise. Bonsoir, on peut les mettre sur des lunettes de vue. J'ai quoi là? Maverick. Salut Maverick. J'ai des lunettes de vue, hein, je les mets par-dessus, ça pose aucun problème. Hein. Non, c'est pas ce que je veux faire, je vais aller dans Options. Forcément, ça déforme l'image, c'est difficile à lire, mais bon. Hop, voilà, je désactive. Voilà. Et là, on peut revenir au jeu. Oula! Oula! J'ai cru avoir fait bugger le jeu l'espace d'un instant. Ok. Ça l'a pas fait bugger, hein. Punaise, ça a fait bugger le jeu. Il y a un problème. Ça a fait bugger l'image. Zut. Le mode côte à côte, il a pas aimé quand je suis revenu. Attendez, c'est dans l'affichage que ça déconne. On va redémarrer. C'est pas grave. Je vais juste. Normalement, je crains rien dans le VRS. Je vais juste revenir au menu principal et on va relancer. Parce que ça a fait bugger là du coup. Ah bah ça fait bugger là aussi, c'est pas bon. Pas bon signe. Non, ça s'est arrêté. Par contre, c'est en SD là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je vais voir si ça relance correctement au chargement. Ou ouais, l'affichage est en SD là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, ça l'a remis là. Ouais, ça l'a remis. Ok, c'est bon. On a à nouveau le. Voilà, le jeu normal. Ok. Bon, bref, je sais pas pourquoi le mode côte à côte, quand j'ai désactivé, ça a fait bugger l'image. Ok, c'est revenu. Je préfère avant, perso. Ah, tu me dis quoi? Pour les lunettes de vue, je les mets après. Les anaglyphes. Ouais, c'est-à-dire que tu te passes des lunettes de vue quand tu mets le mode anaglyphe. Après, c'est toi qui vois. Hein. Tu peux aussi mettre d'abord les lunettes anaglyphes et ensuite tes lunettes de vue. Ça peut être aussi une solution. Il y a peut-être même moyen de. Si on veut. Si on est vraiment dérangé par le mode anaglyphe, par les effets qu'on peut trouver trop forts, c'est mettre deux paires de lunettes anaglyphes, l'une sur l'autre. Ça va assombrir l'image, mais ça va aussi atténuer les effets. Le mode côte à côte, ça ne marche qu'avec une solution à base d'écran 3D. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, Basco. Oui, il faut un écran spécifique. On est d'accord. Il faut des lunettes spéciales. D'accord. Ouais, c'est ce que tu fais, OK? Ouais, bah, les deux fonctionnent, hein. Les deux fonctionnent. Après, quand on a des lunettes rigides, c'est peut-être plus compliqué. Des lunettes en carton, c'est plus facile de faire comme ça, mais ouais, si on a des lunettes rigides, superposer deux lunettes, c'est pas forcément. Il a l'air de coller mon vaisseau? Non, il est là-bas. C'est effectivement, ça peut poser des problèmes là au niveau de la. Ça peut être un peu trop dur à mettre. Bon, donc j'ai fait deux échantillons. Hein.
Ok, voilà, le vaisseau est là. On va repartir dans cette direction. Je crois qu'il y a un autre champ de Touradon de l'autre côté. Oh punaise, pourquoi je pars en vrille? Zut, j'ai dû taper. Ok, c'est un peu violent. Voilà, il me semble que par là, il doit y avoir les herbes ici. Voilà, il y en a ici. Ok. Alors, est-ce que je suis assez loin des deux échantillons? On va savoir tout de suite. Hop. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai mes trois échantillons, c'est bon, on peut changer de zone. Et il nous reste du coup les bactéries à faire plus des conchas. Il y a des conchas aussi à trouver sur cette lune. Voilà, c'est bon. Les probaguito jaunes sont faits. Donc on va retourner au vaisseau. Et puis on va repartir en orbite pour essayer de trouver des conchas, même si je pense que... Ah, je crois que les conchas, non, c'était des biomes à part. Ok, allez, direction le vaisseau. Donc justement, on va regarder un petit peu si on trouve des conchas, et on fera les bactéries en dernier. Ou pas. Parce que c'est des bactéries assez communes. Je sais même pas si cette technologie côte à côte là fonctionne encore, enfin si on en trouve encore, parce que si tu peux pas passer, parce que il faut des écrans spéciaux, hein, c'est ça, ou alors il faut des logiciels. Peut-être que Nvidia fait ça via les cartes graphiques, c'est pas impossible. J'imagine qu'il faut une application spéciale, puisque ça calcule la 3D avant de l'envoyer sur l'écran. En fait, c'est un truc comme ça avec ce mode côte à côte. Et en plus, effectivement, il faut des lunettes spéciales. Hop, voilà. Ok, allez, on embarque. Très joli coin, en tout cas. Là, franchement, on s'est régalé. C'était vraiment chouette. Ok. Allez, redécollage. Ok, on part en orbite. Et on va chercher l'emplacement des conchas. Chargement FSD en cours. Ok. 4, 3, 2, 1, activation. Ok. Elle est étrange, la planète. Je sais pas si vous voyez là-bas. La gerne gazeuse, là. Il y a un halo autour, là, qui est vraiment étrange. Bref. J'ai dit que je voulais m'éloigner. Hop, ça va bon faire. Il faut vraiment qu'il refasse les cockpits des vaisseaux. Bah, il commence à dater, hein, c'est clair. Ça fait un petit moment qu'il est sorti le jeu. Hein. Mais bon, ils ont encore tellement de boulot avec Odyssey là, je pense que c'est pas leur priorité. Hein. Mais ils en avaient parlé. Hein. Ils en avaient parlé. Hein. Maintenant, pour quand est-ce qu'ils vont prévoir ça? Pour l'instant, on sait pas. C'est vraiment l'inconnu. Je pense qu'ils veulent vraiment arriver à finir tout ce qu'il voulait faire avec Odyssey avant de passer à autre chose quoi. Alors du coup, ah oui,
Mode analyse, hop. On va passer sur les conchas, bah c'est parfait. Ouais, donc les conchas, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais choisir la zone là, sur la partie qui touche la zone polaire. Donc on va essayer de descendre par là. Par là, voilà. Encore. Hop, je vais choper le bord de la zone bleue là. Voilà. Parfait. En ce moment, il bosse sur les déplacements dans les vaisseaux. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ça aussi, ils en avaient parlé, mais c'est reculé au calendrier grec, hein, comme on dit. C'est loin, à mon avis, d'être fait, puisque ça supposerait qu'ils fassent toute la partie 3D des vaisseaux, enfin l'intérieur des vaisseaux, et c'est pas quelque chose qui est du tout dans leur plan pour l'instant. Ils feront ça vraiment s'il leur reste du temps, mais s'ils ont le temps de le faire. Non, ils bossent. Bah là, ils bossent surtout sur le lore du jeu, ce qui est pas mal avec les Targoïdes là. Et puis sur l'amélioration des proches, enfin, sur la, ouais, des planètes actuelles, mais aussi l'ajout de nouvelles planètes avec le mode Odyssée, enfin le DLC Odyssée. Ils bossent là-dessus normalement. Donc ils veulent nous donner accès à plus de planètes atmosphériques. Avec des atmosphères plus grosses, etc., plus denses, etc. Alors, on est censé avoir des conchas par ici. On va voir si on en trouve. On nous a parlé des planètes volcaniques qui pourraient être visitables, ce genre de choses. Et des planètes avec une atmosphère plus dense. En tout cas, c'était ce qui était dans les tuyaux il y a quelques temps. Est-ce que c'est encore d'actualité? Et puis, ils voulaient aussi optimiser le mode FPS, hein. Notamment pour les missions de combat au sol qui sont laborieuses apparemment. Même si moi, je ne les ai pas testées, mais a priori, ça a l'air très laborieux. Il y a des chutes de FPS, ce genre de choses, donc je pense qu'ils sont en train de bosser là-dessus, hein. La région est très bizarre ici, hein. La vache. Donc je suis censé trouver des conchas ici, je veux bien, hein, mais... On va essayer de choisir des endroits un petit peu plus plats. On va partir dans cette direction. Alors, on va repartir sur les sommets. Par contre, c'est très sympa, très joli. Mais alors, c'est un biome complètement différent de là où on était tout à l'heure. Pourtant, c'est la même planète. Ce serait bien, hein, qu'ils bossent sur l'intérieur des vaisseaux pour qu'on puisse se placer dans nos vaisseaux, ce serait vraiment classe. Mais ouais, il m'a semblé avoir entendu dire que c'était pas du tout prioritaire. Et pourtant ils savent le faire, hein, puisqu'ils nous l'ont montré avec les flics de carrière. Ils savent le faire. Hein. Qui pourrait très bien nous faire ça. Alors ici ça pourrait être une zone à Concha. Si j'ai touché. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir des conchas par ici? Les conchas en général, c'est des boules. Là, je vois des formes de vie. Ah bah, c'en est. Voilà, bah voilà, exactement. Bah c'est, il y en a. Il y en a ici. Alors, par contre, pour poser là, c'est exactement ce qu'on voit à droite là.
l'espèce de truc turgescent. Train d'atterrissage sorti. Il y en a d'autres là-bas. Ok. Alors, je vais essayer de me poser par là. Faut juste que je trouve un terrain adapté. Là, je vais pas vite exprès. Pas louper une zone où je puisse atterrir. Apparemment, c'est trop en pente. Il y a 14 degrés de pente. A priori, c'est trop important. Ok. Donc, il y a des conchas, mais je peux pas les checker parce que je peux pas me poser. Allez, dans la zone là-bas, c'est plus plat là. Il y en a d'autres en plus. Waouh, mais c'est beau, hein. Oh, la vache. J'arrête pas de frotter. L'environnement est très joli ici. Allez, tu vas trouver là. Tu vas forcément trouver un terrain adapté là, allez. Plus on a une très jolie colonie de conchas là. Ce serait dommage de ne pas pouvoir la. Ah voilà, ici j'ai vu un créneau. Hop. Voilà. J'espère que. Ah, punaise. En sérieux? J'étais dessus. Voilà. Et pourquoi tu me dis que c'est pas adapté une fois que j'ai réussi mon inclinaison? C'est quand même. Non, il veut plus. Qu'est-ce qui le gêne là? C'est dingue. C'est bon là? Tu vas trouver un angle où tu peux te poser? Non, il veut pas. Il veut pas. Là, c'est déjà inadapté. On va se tourner dans l'autre sens, c'est pas grave. Yes, le cochon. Il veut pas que je me pose. Si c'est bon, j'ai réussi. Basco, tu me dis, pour la 3D avec lunettes, il faut un écran i5 ou G5. Plus le kit 3D vision de Nvidia, par exemple. D'accord. Donc c'est toujours faisable. Mais il faut un écran spécial. Ou alors, est-ce qu'il faut un écran avec une application spéciale? Et ensuite, il faut des jeux compatibles. Ouais, donc c'est compliqué. Là, pour le coup, la techno anaglyphe est plus accessible, forcément, puisque tout est intégré dans le jeu, en fait. C'est le jeu qui calcule la 3D, donc. Alors que là, ça ressemble plus en mode côte à côte à une traduction de la sortie vidéo en mode relief, quoi, en mode 3D. Donc, qui passe par la carte graphique, etc., etc. Alors que là, c'est l'inverse. C'est carrément le jeu qui fait le calcul avant de l'envoyer sur la sortie. Donc, c'est une technologie différente. Ok, bon, allez, on va aller voir nos conchas. Par contre, évidemment, je suppose que c'est forcément mieux, quoi. C'est une manière d'avoir une réalité virtuelle, en tout cas très proche de la réalité virtuelle avec un casque, sans la gêne du casque. Ça peut être une bonne option, mais j'imagine que comme pour l'anaglyphe, il ne doit pas y avoir beaucoup de jeux qui font ce genre enfin, qui proposent ce genre de technologie. Je me suis posé là, mais c'est où? Mes conchas, ils sont de l'autre côté. Je les vois là-bas. Ok.
Ah, merci pour le lien, Basco. Ça vaut quand même le coup d'aller se renseigner. Voir s'il n'y a pas un moyen, même si on n'a pas l'écran adapté, est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen de le faire fonctionner? Ça pourrait être bien. Faut quand même jeter un oeil. J'essaierai de m'en renseigner. Ok. Ils sont pas beaux, mes conchas. Bon, on va les analyser. Voilà, Concha Labiata Gris. Ça, c'est du Concha de compétition. La vache. Alors, si je mets le personnage à côté, ils sont pas très hauts. Ah, ils sont quand même au moins aussi hauts que le personnage, quasiment. Ah ouais, ils sont même. Ouais, ils sont aussi hauts que le personnage. Si j'essaie de voir. Voilà, si je me mets comme ça. Ça fait une photo sympa. Si ça veut bien. C'est bon. Ok. Bon, alors du coup, je sais qu'il y a un autre champ de l'autre côté. Est-ce que je vais pouvoir l'atteindre à pied? Sinon, je peux y aller en rover, mais normalement, il y en a qui sont pas très très loin. Et je crois que les conchas, il faut pas s'éloigner de trop pour les. Pour avoir des échantillons viables. Donc on va tester. Je vais juste faire attention. À pas me retrouver encore à 5% d'oxygène. Pour l'écran, il faut une fréquence de rafraîchissement de 144 bits. Oui, donc forcément, les 60, ça marchera pas. Moi, j'ai un écran à 60 Hz, donc pas bits, pardon, Hz. Donc ça ne marchera pas. Effectivement, d'accord. C'est la contrainte. Est-ce qu'ils sont loin ou pas? On a survolé cette zone. Ah, il y en a un ici. Est-ce qu'il est assez loin? Je suis pas sûr. Ok. Je suis assez loin. Donc ouais, c'est ça, c'est 200 mètres la portée, ou 250 mètres. Donc c'est bon, ça va le faire. Hop, c'est échantillonné. Oh, punaise, la vision, la vue qu'on a là. La vue est magnifique. Donc théoriquement, si je vais par là, je devrais pouvoir trouver l'autre champ de Concha, voilà, qui se trouve là-bas. Et on devrait être à un petit peu plus de 200 mètres, donc ça devrait suffire. Ouais, donc là, forcément, avec un taux de 144 Hz obligatoire, je ne pourrais pas faire fonctionner puisque j'ai pas d'écran. Ouais, c'est bon, on est assez loin. J'ai pas d'écran de ce taux de rafraîchissement. Mais je suppose que ça permettrait d'avoir une 3D qui ne changerait pas les couleurs en fait, avec les vraies couleurs. Contrairement à l'anaglyphe, parce que c'est vraiment le défaut principal en fait de la techno anaglyphe, c'est que ça modifie les couleurs. Allez, on échantillonne ça, l'endroit est magnifique. Est-ce que je testerai pas l'anaglyphe ici hein? Je pense que ça vaut le détour. Je vais me permettre de le remettre. Désolé pour ceux qui n'ont pas encore les lunettes. Je suis désolé. Mais ça vaut le coup de tester là. L'endroit est quand même chouette. Hop, je la réactive. Donc on rechausse les lunettes. Hop. Et on teste. Hop, j'applique. Voilà. Ok. Oh punaise, ouais, c'est classe. C'est classe. C'est carrément classe.
Punaise, la vue est d'enfer. Et en plus, on a des jolis conchas là. Oh, c'est chouette. Je suis content qu'on ait trouvé les bons réglages là. Parce que là, franchement, ça le fait. Hein. On a envie de shooter dedans. En plus, là, si je regarde comme ça, on se croirait à la Coupe du Monde du Qatar, là. On a le même environnement. Hein. Là, on est pas mal, là. Un petit dribble avec les conchas, là. Pour être sympa. Mais non, on peut pas donner de coup de pied dedans, c'est dommage. Alors, je peux taper. Ouais, je peux taper, mais ça va pas. Ça va pas taper bon, grand chose, quoi. Bref. Allez, je vais essayer de revenir au vaisseau en mode anaglyphe. Ah, mais c'est trop beau. Oh. Franchement, les effets de relief sont vraiment excellents. Ah, c'est vraiment chouette. T'es toujours là, UK? Parce que là, du coup. Tu peux voir un super panorama en relief là. Si tu as toujours tes lunettes. C'est par où le vaisseau? Par là. Hein. Ouais, je suis descendu par ici. Waouh, magnifique. Ouais, t'es toujours là, ok. Là, la vue est splendide. Je trouve que c'est quand même une superbe expérience, ce mode anaglyphe. Encore une fois, c'est pas parfait, c'est pas de la 3D parfaite, ça. Mais voilà, les sensations sont là et c'est chouette, quoi. J'en suis où là? Voilà, du coup, je vois pas. La distance est trop petite. Je vois pas. Je dois pas être si loin, je suis à la moitié de mon énergie, donc ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, je vois la queue de mon vaisseau. Magnifique. On a envie de plonger dans la vallée là. Mais pourrait peut-être faire ça avec le vaisseau. Je vais laisser le mode anaglyphe là, histoire de voir si on peut pas se balader dans les montagnes là, avec le vaisseau. Ça pourrait être cool. J'essaie d'alterner hein, comme ça les moments anaglyphes et sans pour que tout le monde puisse en profiter. Ok, allez, on va courir. Mais je pense qu'en vaisseau, en caméra extérieure, là, ça va être sympa. Ok. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, hop, embarquons. Et on va se balader un petit peu, on va faire un petit peu de survol. Normalement, il me reste encore une bactérie à trouver, mais bon, c'est pas grave si je la trouve pas. Donc attention, on redécolle. Je rentre les trains. Et on va se balader un petit peu dans ces canyons. D'abord en vue cockpit. Oh, les sensations sont là, c'est vraiment excellent. Waouh, trop bien. Oh la vue. Oh la vue d'enfer. Ouais, c'est vraiment une chouette techno. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Et puis moi, fatalement, ça me rappelle les
premières expériences de la 3D quand j'étais gamin, quoi. Il n'y avait que ça qui existait. Hein. On pouvait même aller voir des films au cinéma en 3D anaglyphe. Je m'en souviens très bien. Donc bah, ça me rappelle mon enfance. Hein. Donc c'est cool. Wow, c'est chouette, punaise, c'est trop classe. Finalement, c'est bien de pas trop forcer le relief, de pas trop montrer la barre, de pas trop monter, pardon, la barre de relief dans les options graphiques. Parce que là, du coup, elle n'est pas désagréable. Alors, ça génère un petit peu moins de sensations, mais elle n'est pas désagréable. Et du coup, on peut en profiter plus longtemps. C'est pas plus mal. Trop bien. Alors si en plus j'utilise ma caméra vue subjective, et voilà, juste pour, hop, voilà, pour voir mes pieds. Hop, on va se mettre comme ça. C'est juste parfait. Finaise. C'est juste parfait comme ça. Ah, punaise, les sensations sont excellentes. On voit le relief sous les pieds là, c'est trop bien. Regardez ça, hop. Hop, petit canyon. Oh mais trop trop bien. C'est trop trop bien. J'adore comment c'est rendu quoi. Elle fonctionne super bien cette techno. C'est fou comment on peut tromper le cerveau quand même. Hein. Dingue. J'adore les sensations que ça donne. Alors, faut pas trop que je regarde mes pieds, faut aussi que je regarde devant, faut que je fasse attention quand même. Je vais encore perdre des points de coque sinon. Je vais tester la vue externe. Hop. Voir un petit peu ce que ça donne. On va basculer en caméra extérieure. Ça fait des screens sympas, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hop, allez, j'essaie de bien caler mon vaisseau. On va se faire plaisir. Peut-être que je monte un peu, voilà, comme ça. Ah, là on est bien. Là on est parfait. Hop. Et attention, c'est parti pour un petit tour de manège. Attachez vos ceintures. Oh la vache, c'est trop bon. C'est juste trop bon. Ah, j'adore. Oh la vache, c'est excellent. Et ce qui est génial avec cette techno, c'est que on n'a pas le mal de mer, on n'a pas le mal de transport. Alors que ça peut le faire avec le casque de réalité virtuelle. Oh la vache, c'est trop bon. C'est peut-être un poil moins spectaculaire que dans le cockpit. Parce que là, du coup, on n'a que le vaisseau en référence
pour pouvoir jauger du niveau de profondeur. Mais ça le fait quand même. Ou alors, il faudrait que... Attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc cinématographique. Si... hop, je fais ça. Voilà, que je bouge la caméra. Et qu'on va la mettre... Voilà. On va donner un effet de relief important sur un élément du vaisseau. Comme là, voilà. Par exemple, c'est parfait. Là, on a un bon élément là avec les LED. Je vais bloquer ça. Et je vais piloter comme ça. Alors c'est très dangereux parce que je vois pas le fond de mon vaisseau, mais... Ah oh ouais, punaise. Ah oh, punaise. Je fais ça des fois dans Star Citizen et ça marche pas mal. Évidemment, sur la 3D. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vue. La vue est trop... Et là, c'est trop bien. Ah, c'est juste trop bien. Ah, je m'éclate là. Alors faut juste que je fasse gaffe au sol, mais ça va aller. Que je vois pas le côté droit de mon appareil. Je vais pas vite hein, exprès au cas où je cogne. Oh là là là, punaise, c'est trop bon. Oh punaise, c'est trop bon. Le vaisseau dans le visage, exactement. Ah mais c'est juste trop bien. Voilà, ce qui est difficile, c'est d'arriver à jauger la hauteur du coup avec le côté droit du vaisseau. Ah puis le reflet de la lumière sur le vaisseau là. C'est ça qui est génial avec la 3D Anaglyph, c'est que ça renforce les effets lumineux et d'ombre. Donc on apprécie encore plus. Oh là là. Oh, les petits jets de gaz là. C'est trop bien. Oh punaise. Oh, les sensations sont vraiment trop excellentes. Je pourrais aller vite, mais j'ose pas. Hein. Parce que là, je vois vraiment pas assez de mon vaisseau pour être capable de voir. Oh là là, c'est trop bon. Oh punaise. Oh non, un chien. Oh les images qu'on se tape là. Là, je suis désolé, mais je suis obligé de passer en mode cinéma. Mode cinéma Anaglyph. Attention, on va basculer en mode cinéma. Hop, si ça veut bien fonctionner. Oui, ça cape. Avec la petite musique et tout qui va bien. Vous allez voir, ça va être cool. Et hop, on est reparti. Ça marche de votre côté? Mais pas de soucis, parce que j'ai des soucis avec mon retour, moi. J'espère que... Il n'y a pas de problème de connexion. La planète s'y prête vachement pour le coup. Ah ouais, c'est clair. Je vais pas vite exprès, hein, parce que... Je pourrais pas abîmer le vaisseau si jamais je me rate. Si je vais à cette vitesse, ce sera que le bouclier qui prendra. C'est trop bon. Et petit coup de boost, attention. Je surkiffe. C'est trop génial. Oh la vache.
Ah, trop bien. Je vais vous faire la même après sans le mononaglyphe, hein, pour ceux qui n'ont pas les lunettes, hein, je suis désolé, hein. Je pense qu'à moi. Il y a UK, pour le coup. Oh là là, le panorama. Le pied total. Puis j'ai pas vu à droite qu'il y avait, il y avait un obstacle. J'ai failli me le prendre. Oh la vache. C'est trop bon. Comme quoi on peut piloter avec le mode anaglyphe, ça marche très bien. Oh la vache. Oh c'est trop bon. Le relief est tellement chouette là. J'ai peur de cogner. C'est juste parfait. Finaise, j'ai tapé. Je m'en doutais que j'avais tapé. J'espère que j'ai pas perdu de point de coque. J'allais pas vite. En théorie, ça devrait aller. Quelle invention géniale. Attention, je suis un peu bas. Je vais remonter un poil. Oh, la perspective qu'on a là. Tout en relief, c'est tellement chouette. Allez, pour pas que ça fasse de jaloux, je vais repasser en mode normal. Hop, je vais rester en mode cinéma par contre. Et on va couper le. On va couper la 3D anaglyphe, please. Je peux prendre avec. Hop. Alors, je peux pas stabiliser. Ok. Hop, j'enlève le mode anaglyphe. Hop, j'enlève les lunettes. Et on est reparti. Voilà, c'est vraiment top, hein, c'est clair. Et tu vas voir, ça va être aussi chouette, aussi sans. Regarde, regardez-moi ça. C'est forcément moins spectaculaire, mais ça le fait quand même. Les montagnes sont quand même super sympas dans le coin. C'est dommage de s'en priver. Forcément, ça fait pas pareil. Mais c'est quand même super sympa. Là, au moins, on a les vraies couleurs. C'est au moins ça qu'on peut apprécier.
sympa comme ça en vue rapprochée avec le vaisseau là, par l'arrière du vaisseau. C'est pas en 3D, mais on a quand même une petite impression vu qu'on est très proche là de l'ailette. Ça donne pas mal. Salut pomme de terre. Ah t'as vu le relief? Il est chouette hein. Et ça va très bien. Il y a 2 secondes, on était encore en mode anaglyph en 3D. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé de survoler cette montagne avec les lunettes. C'est trop bon. L'effet de relief est juste insane, comme on pourrait dire. T'en as pas toi de lunettes, pomme de terre, des lunettes relief. Enfin 3D. Comme j'ai pas des lunettes, le mode normal me va bien aussi. Ben, c'est pour ça que j'alterne. C'est pour ça que j'alterne. Je vous montre les deux à chaque fois. Ouais, t'en as pas, ok. Voilà, il est magnifique ce relief. Cette planète rocheuse est incroyable. Quand je vous dis que c'est mes préférés, hein. D'accord, c'est loin d'être la plus spectaculaire de toutes celles que j'ai pu voir. Mais elle fait son petit effet, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, franchement, faut pas que t'hésites, hein, pomme de terre. N'hésite surtout pas. Ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. Après, encore une fois, ça vaut le coup si tu es capable de bien régler comme il faut ton mode anaglyph. Ça demande un petit temps de réglage. Mais j'essaie de vous faire un tuto vidéo dès que je peux pour vous montrer comment faire. Mais moi j'ai réussi là vraiment à optimiser au maximum la vue relief et c'est juste fantastique quoi. Fantastique. J'ai plus de parasites, d'images fantômes, ce genre de choses. Pas de problème de couleur. Enfin c'est. Même si évidemment la 3D anaglyph va attirer les couleurs. Je veux dire, ça n'enlève pas l'effet 3D quoi. Non, c'est pas un problème de positionnement de caméra, c'est moi qui ai voulu cet effet-là. Et parce que j'étais en 3D anaglyph, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes. Et ça faisait ressortir les LED de l'écran, c'était assez sympa. Et du coup, on apprécie encore plus le relief derrière. C'est pour ça que je l'ai mis. Du coup, on voit qu'un côté du vaisseau. C'est un peu dangereux pour piloter, mais ça fait des effets sympas. Oh, punaise, elle est... Oh, mais la lumière, elle est trop belle, la lumière. J'adore la lumière sur la planète. Ok, bon, et quelle heure du coup, avec tout ça? 23h30. On repart dans l'espace? Ou est-ce que vous voulez qu'on continue d'explorer la planète, ça? Il me reste éventuellement les bactéries à faire sur cette lune. Alors je vais vous enlever le mode cinéma. Hop. On va se remettre en mode normal. Voilà. Hop. Tu as mis un réglage graphique spécifique car la surface et le relief sont waouh. Oui, absolument. J'utilise. La sélection third party IL du mode EDFX et ça donne cet aspect là qui renforce les contours des objets avec des ombres renforcées justement et c'est le seul pré-réglage de EDFX qui ne modifie pas les couleurs quand je mets le mode anaglyph. Du coup on n'a pas de défaut avec ce mode de réglage. On peut le laisser comme ça. Sinon, il faut virer le mode anaglyph pour EDFX pardon, pour que l'anaglyph fonctionne correctement. Bon, c'est top. Bon, après, je suis allé farfouiller aussi dans le menu de configuration graphique. Hein. J'ai modifié quelques petits trucs. Hein. Notamment la qualité des ombres, la définition des textures que j'ai augmenté au-delà de ce que les options graphiques du jeu peuvent faire parce qu'on peut les augmenter au-delà. Mais pour ça, il faut aller farfouiller dans le fichier graphique et modifier à la main via un éditeur de texte. Je vous ai montré hein, comment faire tout ça sur le Discord.
Là aussi, il faudrait que je vous fasse un tuto. Que vous puissiez faire ça aussi de votre côté. Il n'y a rien de très compliqué, il faut juste savoir ce qu'on fait, quoi. Waouh, les montagnes sont magnifiques, là, regardez-moi ça. Je ne l'ai pas encore plugué à ma version. Je vais le faire dès que j'aurai un moment. Pas compliqué à installer. Il n'y a rien de plus simple. La seule difficulté, c'est le chemin, trouver le bon chemin pour ton jeu, pour l'appliquer au mode EDFX. Dans le mode EDFX, il faut aller chercher le chemin du jeu. C'est peut-être le seul truc compliqué qu'il y a à faire. Parce que selon que tu joues sur Steam ou directement via ton jeu que tu as acheté sur la boutique de Frontiers, les chemins peuvent différer. Donc c'est juste ça qu'il faut savoir faire. Mais c'est tout. Il n'y a rien de plus simple. C'est tu t'installes, tu joues. Et en plus, ce qui est génial, c'est que tu peux changer les modes. Tu peux changer les pré-réglages à la volée, pendant le jeu, pendant que tu joues. Il suffit de basculer sur l'application. Tu changes, tu valides. Et ça change automatiquement dans le jeu en jouant. Donc, il n'y a rien de plus simple. Oui, le chemin de l'exé, ouais, c'est ça. Absolument. Et donc évidemment, selon que tu joues sur Steam ou pas, il faut passer par les dossiers Steam ou non pour trouver le bon chemin. C'est tout. C'est vraiment la seule difficulté. Le reste se fait tout seul. Le petit formulaire à remplir pour que l'application prenne en compte tes paramètres graphiques et tout, c'est très simple à comprendre. Il suffit de suivre en fait ce qui est indiqué. Il n'y a rien de compliqué. Mais la lumière est fantastique ici, hein. Waouh! On a une superbe lumière. Hein. Regardez-moi cet éclairage. C'est trop chouette. Ah, tout à l'heure, pomme de terre, on est tombé, on était au sol. Enfin, on n'est pas tombé au sol, quoi. C'est pas ce que je voulais dire. J'étais au sol avec le personnage et on est tombé sur un endroit. On se serait cru au Far West. C'était trop chouette. Il y avait des tubus, on aurait dit des cactus, avec plein de petites plantes au sol. On se serait cru dans un, enfin, comment dire, au milieu du désert, dans le Nevada ou je sais pas où. Enfin, c'était vraiment super chouette quoi. Et c'est ça que j'adore avec ces planètes-là, c'est que elles ont un petit côté western parfois qui est juste trop chouette quoi. Alors on n'est pas sur du Red Dead Redemption, attention. Mais ça le fait. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Ambiance Death Valley, exactement. Absolument. C'est vraiment ça. Donc c'était une séquence assez sympa. Et c'était encore plus chouette en relief. J'ai fait les deux, évidemment. C'était encore plus chouette en relief, quoi. Parce que là, du coup, t'avais vraiment la. Wow, cet endroit est fantastique. Bah, ça pouvait ressembler un peu à ça d'ailleurs, hein. Le sol que l'on voit là. Ça pouvait ressembler un petit peu à ce qu'on voyait là. Ce décor western. Mais en plus, t'avais la végétation, quoi. Donc c'était trop bien. Waouh, mais c'est fantastique ici, hein. Ouais, c'est une rocheuse, oui, absolument. Rocheuse désertique. Mais il ne fait pas trop chaud, la température n'est pas dangereuse. Souvent, tu nous en montres de très jolies. Tu sélectionnes souvent des rocheuses. Oui, c'est mes préférées, donc je fonce dessus. Dès que j'en vois, je fonce dessus. Et je privilégie évidemment celles qui ont de la vie, puisque bah, ça nous fait des moments comme celui que je viens de te décrire. On se serait cru dans un western. Mais juste avant cela, j'avais montré une petite planète glacée. Il y a des planètes glacées qui sont assez belles, hein. Franchement. Hein. Alors, ce ne sera pas aussi chouette qu'une planète comme ça rocheuse, mais sur bien des aspects, ça vaut le coup aussi, les planètes glacées. Hein. Je me régale là, sans déconner, je me régale. Les panoramas sont trop, trop beaux. Même si on n'est pas en 3D, Anaglyph.
Vraiment chouette. Bon. On la quitte à regret et je continue mon voyage dans l'espace. Parce que là, j'ai pas avancé du tout aujourd'hui, hein. Ah, il y avait des classes 2 aussi dans le système, il fallait que je les fasse. Des jantes gazeuses. Faut que j'y pense. Avant de partir. Oh là là, mais c'est trop beau, regardez-moi ça là-bas. Waouh, c'est vraiment chouette, hein. Alors, si je reprends un petit peu d'altitude, juste avant de partir, je voulais vérifier un truc. Ton vol est très très fluide, tu as toujours ta carte graphique habituelle, ça tourne très bien. Oui, tout à fait. Je tourne à 60 FPS, constant. Avec ma petite 1660 Ti GTX. Je voulais voir si en prenant l'altitude je pouvais à nouveau voir la calotte glaciaire, mais je crois que je suis trop loin là. J'aimerais bien la survoler avant de partir. Ouais, je pourrais pas la voir, faut que je reparte en orbite. Donc c'est ce qu'on va faire. Je repars en orbite ça. Oh, t'as une 2060 RTX. Ouais, c'est nickel, hein, c'est clair. Bah, il faudrait que je change la mienne, mais bon, pour l'instant, j'ai pas les moyens, quoi. Quoique, je vais peut-être me tourner vers une solution AMD. Il y a une carte graphique AMD, là, qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, là, et qui n'est pas très chère, moins de 300 balles. Et qui fait le café, hein. Qui est vraiment performante, au moins autant qu'une 3050 de chez Nvidia. Donc, et RTX, évidemment. Donc je vais peut-être me laisser tenter. Bah, disons que j'arriverai plus à comment à dépenser 300 balles que 800 quoi. Alors je fais un petit tour pour voir si la calotte est dans le coin ou est-ce qu'il faut vraiment que je reparte en orbite. Il faut laisser les séries 4000 arriver, les générations 3000 devraient chuter. Oui, tout à fait, hein. Tout à fait. Pour l'instant, c'est pas. Ça commence avec les 3050 et les 3060. Ça commence. Mais c'est encore hors de ma portée. Je vais pas mettre 800 balles dans une carte, quoi. C'est pas possible. Surtout que je voudrais changer mon CPU aussi. Pour un Ryzen 7. Parce que là, c'est un 5 que j'ai. Donc un 7 2600. Je devrais pouvoir, pour à peu près le même prix, 300 balles. J'essaie d'économiser pour voir si. Enfin, ça va être l'objectif. Pour essayer de changer un petit peu mes capacités là de mon PC parce que c'est de plus en plus compliqué. Là, demain soir, on est sans. Enfin, je suis censé vous montrer du Star Citizen. Sauf qu'apparemment, donc la 3.18 est sortie sur le PTU. J'ai un petit peu peur. Je sais pas si je vais réussir à la faire tourner. Sincèrement, je sais pas. On verra demain, mais enfin, j'essaierai de tester avant, mais j'ai des doutes. Hein. En la payant plusieurs fois, j'ai pris mes 3080 VGA, d'accord, à 1480 balles en 4 fois. Bah, c'est clair. Faut que je me tourne vers une de ces solutions. C'est sûr, Simba. Quand j'aurai fini de payer les factures qu'il faut que je paye, je vais voir ce qui me reste. Moi je tourne sur 3700X, il y a déjà 3 ans, mais il tourne au poil. D'accord. Mais c'est ce qui me manque, moi, clairement, là. Bon, du coup, je repars Chargement FSD en en cours. orbite. J'aurais juste essayé. 4, Non, 3, non, 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 non. 2, Non. 1, Punaise, comment je peux annuler? Mais non, mais je voulais pas sauter. réussite. Si, c'est bon. Ok, j'ai cru que je sautais sur l'étoile qui était indiquée, mais non, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Sinon, les cartes Intel. C'est clair. Non, mais c'est clair. Là, pour l'instant, moi, je tourne sur de l'AMD. Donc,
je me tourne naturellement vers des solutions AMD, mais c'est pas forcément les seules solutions qui existent, évidemment. Ok, donc je voulais voir la calotte glaciaire. Non, oh punaise. Je suis retombé, c'est pas possible. Je voulais voir les... Voilà. C'était là-bas. Je voulais voir la calotte glaciaire. Allez, sors du planage là. Voilà, on voit bien la calotte glaciaire là-bas, mais je suis encore un peu loin. Donc si j'y vais comme ça, je pense que ça va prendre un certain temps. Voire un temps certain. Donc je vais repartir en orbite. J'attends un petit peu, je suis revenu trop vite. Elle est tellement petite la Lune que c'est un petit peu compliqué. Chargement FSD en cours. On est vite arrivé sur zone. AMD c'est très bien, Intel c'est pas trop cher je crois. C'est quand même assez cher. Hein. Nvidia par contre ces enflures c'est vraiment trop cher, ouais c'est clair, c'est clair. C'est bien pour ça que je cherche des solutions AMD. Mais Intel, ouais, c'est intermédiaire, on va dire. Allez, je m'éloigne, voilà. Je voulais juste faire un petit tour sur la calotte que l'on voit là. Je prends un petit peu de hauteur. Parce qu'elle m'a l'air sympa et j'aimerais bien aller jeter un oeil. Ok. Voilà, parfait. Allez, en plus on va se placer sur le terminateur, ça va être sympa. On va voir un petit coucher d'étoiles. Ça va être sympa. Ça va faire des jolies lumières. Achète au fur et à mesure comme moi, commence par une bonne carte graphique. Bah là, pour le coup, Simba, c'est le contraire que je vais faire. Parce que mon CPU, il en peut plus. Donc je vais plutôt commencer par renouveler mon PC en commençant par le CPU. Ma 1660 Ti, elle peut encore tenir. Là, j'ai une GTX 1660 Ti avec 6 Go de RAM. C'est évidemment pas assez, mais ça peut encore tenir. Si tu veux savoir ma config complète, pardon, tu tapes point d'exclamation config dans le chat. Allez, on descend vers la glace. Une GTX, j'arrive pas à parler, pardon. Une GTX 1660 Ti. J'ai pas mis la RAM, mais c'est une 6 Go de RAM. Même pas. Non, j'ai des conneries, c'est une 4 Go de RAM. J'ai vraiment pas beaucoup de RAM dessus, quoi. Oh, il y a une petite brume sympa. Oh, c'est sympa la lumière. Alors, évidemment, moi ce que je veux voir, c'est l'étoile. Ouais, tout à fait, c'est pour ça que je sais que je peux garder ma carte graphique encore quelques temps. Et qu'il faut vraiment que je remplace impérativement mon CPU qui est. C'est un vieux Ryzen 5 et il commence à tirer la langue, quoi. Notamment sur Star Citizen. Waouh, punaise, c'est trop beau là. Très jolie calotte glaciaire. Il y a des jolis reliefs là aussi. Wow, c'est chouette. Et ma carte mère, elle peut accueillir je peux aller jusqu'au Ryzen 9. C'est juste que pour l'instant, c'est pas dans mes prix, mais je peux.
Elle est encore, elle a encore de la ressource, ma carte mère. Je joue en 1080, ouais. Oui, donc ma carte peut encore faire le taf, il n'y a pas de problème. Je joue pas sur un écran 4K, donc. Oui, ben c'est ça, Simba. Il faut que je trouve la bonne carte pour pouvoir streamer en même temps. Mais j'avais trouvé une AMD, alors je sais plus. Attendez, je dois avoir la référence quelque part. Ne quittez pas. Attendez, je dois avoir ça quelque part parce que j'ai fait mes recherches. Ouais, j'avais vu comme carte graphique l'AMD Saphir Radeon RX 6700. Si vous ne connaissez pas la référence, c'est une très très bonne carte graphique. Et c'est étonnant chez AMD parce que c'est pas dans leurs habitudes. Mais les performances sont assez incroyables. Et elle peut rivaliser sans problème avec une 3050, voire 60. Donc c'est bien, c'est ça, c'est la Saphir Radeon RX 6700. Et en processeur, là, je vise le Ryzen 7 5800X. Mais bon, c'est pas sûr à 100%, mais ça, voilà, ça, ce serait, je me tournerais vers ce genre de processeur. Parce que les Ryzen 9 sont encore trop chers. Je crois que CPU, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on utilisait. Hein. C'est 5900X. R9 est top pour les streamers, j'en doute pas une seconde. Mais à mon avis, c'est hors de ma portée. C'est trop cher. Moi, je suis passé l'an dernier en 27 pouces, 1440p, d'accord. Heureusement que j'ai la 2060. Bah oui, forcément, ça sert à ça. Hein. Forcément, pomme de terre, faut faire attention à ça, évidemment. Mais la Ryzen 7, elle peut faire le taf sans problème pendant encore un bon moment. Donc il faudrait que je me pencher vers ce processeur qui est aux environs de 300 balles. Des fois un peu plus ou un peu moins, ça dépend où tu le prends. Donc voilà quoi. Bon, alors continuons un petit peu d'explorer le sol. Oh la vache, ah oui, je savais qu'il fallait que je vienne là. Là, je vais pas dire, mais regardez, on se croirait sur les lacs gelés de Microtech dans Star Citizen. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Franchement. On se croirait presque dans un lac là, de Microtech. Un lac gelé. C'est top, hein? Ouais, magnifique. Ouais, le paysage est magnifique. Je savais que cette calotte glaciaire était chouette. Je le voyais depuis l'orbite. Ouais, la plaine est magnifique. Et effectivement, un aspect luisant qui fait qu'on a l'impression d'être sur un lac gelé. Ce qui est peut-être le cas, finalement, j'en sais rien. On n'a jamais vu d'eau couler nulle part dans Elite Dangerous, mais allez savoir. Il y a peut-être dessous, là. Ou les sables du Mont-Saint-Michel, c'est pas faux. C'est pas faux. Je vais me mettre comme ça, hop. Histoire de voler un peu comme ça. Profiter de la belle lumière de l'étoile que l'on voit là. Ouais, c'est classe, regardez ça. On a une belle vallée là. J'aime bien les fractures qu'il y a là. C'est pour ça que pour moi c'est de la glace. Il y a un lac, hein. Il y a un lac en dessous. Hein. C'est tout craquelé, c'est chouette. Hein. Les textures sont vraiment classe. Hein. Regardez-moi ça. Comme si on était sur un lac gelé qui craquait en fait. Ou la glace craquait. Tout est tellement serein aux confins de l'espace. Alors qu'aux alentours de la bulle, ça va quoi? Ça va changer très bientôt, c'est ça que tu voulais dire? Des anomalies en approche un peu partout, les targots. Oui, tout à fait, hein. Tout à fait. Et qu'est-ce
quelque part, je suis un petit peu content de pas y encore y être. Oh punaise, les paysages sont magnifiques. Très 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 joli paysage. On se croirait presque sur Microtech là. Oh, il y a une énorme fracture là. Oh mais c'est chouette hein, sans déconner. C'est cool, regardez ça la fracture là. Qui brise la glace en deux là. Oh c'est super bien fait, j'avais jamais vu ça encore. Regardez-moi ça, ça fait une tranchée. C'est trop bien. On a vraiment l'impression que c'est une craquelure dans la glace. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais ça y ressemble. Waouh, c'est classe. Je savais que ça allait être une bonne planète pour voir des choses sympas. Là, elle me fait pas mentir du tout. Et alors, je vais repasser en mode anaglyphe parce que je peux pas faire autrement. Il faut que je regarde les paysages là, voir ce que ça donne en relief. Je vais rechausser les lunettes. On va se remettre face à l'étoile. Je vais tester. Voilà, je vais mettre comme ça. Hop, pour avoir une référence avec le fond là, avec la montagne qui émerge. C'est une montagne ou un iceberg? On sait pas trop en fait ce que l'on voit au fond à droite. Elle m'en voulait pas pour ceux qui n'ont pas les lunettes, mais il faut que je teste. Il faut que je teste. C'est plus fort que moi là. Hop, je réactive. Je mets les lunettes. Hop. Allez, on applique. Et on est reparti. Donc là, en version anaglyphe. La vache. Waouh, c'est trop génial. Là, on voit bien la montagne qui se détache là. Waouh, c'est trop chouette. Alors certes, la glace a tendance à devenir verte au lieu d'être blanche. Mais je m'en fous. Je m'en fous. L'effet de relief est trop chouette. Oh là 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 là, punaise magnifique. Je pense que la vue cockpit pour le coup sera encore plus. Ouais, je vais mettre en vue cockpit. Oh punaise. Oh punaise. Oh la vache, la sensation est excellente. On voit les rochers là qui émergent de la glace, qui passent sous mes pieds là. Oh, j'ai l'impression que je peux les toucher quoi, c'est fou. Sensation excellente. C'est trop bien. Oh la petite falaise, oh trop bien. Oh punaise, le vide que ça crée d'un coup là. Ah, je vous promets en 3D, mais il faut vraiment vous acheter les lunettes. Hein. Sans déconner, hein. Procurez-vous des lunettes. Hein. Il faut absolument que vous voyez ce que je suis en train de montrer là. C'est trop chouette. L'effet de relief est vraiment sensationnel. Je suis tellement content d'avoir pu le régler comme je le voulais. Hein. Ça rend trop bien. Non mais c'est vraiment excellent. C'est chouette finalement en vue cockpit là quand on est en anaglyphe comme ça parce que ça crée une référence au premier plan en fait. On voit le relief du premier plan avec le cockpit et du coup ça fait ressortir encore plus le relief de des objets qui sont plus loin.
C'est top. Ah, c'est top. Ah ouais, tu vois ça, UK? La vue intérieure, elle est vraiment chouette là. Encore, je vais un poil vite, mais regarde, si je ralentis, que je m'approche du sol, punaise, mais regarde ça, la sensation, c'est trop bon. C'est trop bon. Avec les cailloux qui défilent là, sous les pieds. Oh la vache! Ah, je kiffe là, c'est vraiment trop chouette. Encore une fois, quelle invention géniale. On a vraiment l'impression qu'on peut choper les cailloux entre les jambes là, qui passent sous nos pieds. C'est vraiment classe comme sensation. Ah, puis quand on approche d'une falaise et qu'on passe la falaise, wow, le vide d'un coup là qu'il y a, c'est. Oh, regardez ça. Oh, regardez à gauche là. Oh punaise. C'est ça qui est chouette. On a comment dire, une sensation des profondeurs qui est décuplée là. C'est énorme. C'est juste énorme. Oh punaise, regardez le vide là, qu'il y a sous les pieds. C'est trop chouette. Ça fait vraiment une sensation, quoi, comme si on chutait d'un coup. Je suis désolé, pomme de terre. Je suis désolé. Et tu peux te les procurer pour 3 euros sur ma boutique. Des lunettes en carton comme les miennes. Tu fais point exclamation shop. Ou alors tu les fabriques toi-même. Tu peux les fabriquer. Il faut juste trouver des papiers couleur transparent, rouge et cyan, ou rouge et vert. Et tu pourras arriver à avoir à peu près les mêmes sensations que des vraies lunettes. Bah, c'est Sky Xenox qui en a fait maison. Il s'est amusé à en faire maison et apparemment ça marche bien. Donc il y a toujours moyen de le faire, quoi. J'aurais dû garder celle que j'avais quand j'étais gamin. Le premier film en relief à la TV. Époque dernière séance. Mais exactement, exactement, ça vient de là. Hein. La créature du marais, mais tout à fait, je l'ai vu, bien évidemment. C'est exactement ça, voilà, fallait les garder. Dis-toi que c'est les lunettes que j'ai sur les yeux, là, elles ont 20 ans. Hein. Elles ont 20 ans, les lunettes, là. Elles sont issues du film Fly to the Moon. Le film d'animation avec les mouches qui embarquent avec la capsule Apollo sur la Lune. Ça date du début des années 2000. Seuls les quarantenaires savent. Ouais, exactement. Ou plus que ça, même. La 3D Anaglyph, ça existait déjà dans les années 50. Hein. Les premiers films en relief datent des années 50. Hein. En tout cas, en couleur, il y en avait peut-être encore en noir et blanc avant. C'est une vieille techno, hein. Mais c'est toujours aussi efficace. Waouh, mais oh, c'est trop bon. De voir le relief là. Oh, regardez ça, on dirait des pyramides. C'est quoi qu'on a devant là? Je vais tomber sur les Goa'uld de tout à l'heure, je vais pas comprendre. C'est quoi ces pyramides là? On est dans Stargate là. J'étais pas né dans les années 50. Ben moi non plus. Oh, il y a un petit volcan là. Oh! C'est quoi? C'est un cratère d'impact ça? Oh, c'est un volcan? Ah bah ben ouais. On est d'accord que c'est le cône d'un volcan que l'on voit là. Oh, mais c'est magnifique ici. Là, j'ai l'impression d'être sur ces Yela, la planète Yela dans Star Citizen. Où il y a plein de petits volcans comme ça. Regardez ça. Franchement, on a l'impression d'être dans Star Citizen là.
Le paysage est fabuleux, hein. J'adore. Magnifique. Non, c'est clairement le cône Navalcor, mais c'est la première fois que j'en vois sur une planète comme ça. En général, on voit ça plutôt sur les planètes où il y a de la géologie. Mais là, on dirait vraiment le cône d'un volcan, c'est étrange. Ah, le cratère là, hop, avec les bords. Et donc là, on a une pyramide Goa'uld face à nous. L'endroit est fantastique. Hein. Je vais aller jusqu'au bout de la vallée et je couperai l'anaglyphe pour montrer à ceux qui n'ont pas les lunettes comment cet endroit est étrange. L'endroit est vraiment étrange. T'as l'impression que tu vas tomber sur un temple là. Une ruine. Waouh. Magnifique. Regardez ça, on a encore une surface complètement plate. Je suis sûr que c'est des lacs en fait. Des lacs gelés. L'endroit est incroyable. L'endroit est incroyable. Regarde ça, ça fait des dunes. Et là, pour le coup, en relief, on le voit bien. Ouais, ça fait carrément des dunes comme s'il y avait eu des vagues. Oh là là, l'endroit est fantastique. Magnifique. Magnifique. Essayez de choper des lunettes, hein, les gars. Parce que je vous promets qu'en 3D Anaglyph, c'est juste le pied. C'est juste le pied. Et salut, Xian. Je passe faire un coucou, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Xian. J'espère que tu vas bien. L'endroit est vraiment insolite. Hein. Je vais désactiver le mode Anaglyph pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors vous n'aurez pas les sensations que j'ai forcément, mais ça le fait. Hop, voilà, je vais couper ici. Faut absolument que vous voyez cet endroit. Incroyable. Voilà, je coupe l'anaglyphe. Hop, j'applique. Voilà, on peut enlever les lunettes. Hop, et on reprend. Voilà, avec les vraies couleurs. Regardez-moi cet endroit. Xen, tu me dis la première fois que j'en ai utilisé, j'avais 8-9 ans dans les années 70-80. Mais tout à fait, hein, tout à fait. C'est exactement ça. Même, comme je disais tout à l'heure, on pouvait utiliser. Enfin, on trouvait ces lunettes bien avant, puisque c'est une techno qui date des années 50. Hein, donc, c'est pas nouveau. Hein. Oh, regardez-moi ça. Vous avez vu un petit peu? Je vous promets, en relief, c'est impressionnant. Et donc là, on va repasser à côté de l'espèce de pyramide là. Et ce qui est génial en 3D Anaglyph là, c'est vraiment quand ça passe. Et comme un crétin, je monte mon écran. Quand les rochers passent sous les pieds, on a l'impression qu'on peut les toucher. C'est vraiment chouette. Regardez-moi cet endroit. Il est pas incroyable? Sincèrement. Il est vraiment chouette, hein? Alors là, pour le coup, je peux peut-être. Voilà. Faire un vol en vue extérieure. Faut juste que je règle bien. Voilà, hop. Voilà. Pas dur à fabriquer quand tu fais du bricolage, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, absolument. Très très beau et paisible, ah, c'est exactement le mot. J'adore les espèces de fractures qu'il y a dans la glace là. C'est trop chouette. Plus on a la petite musique qui va bien là, qui s'est enclenchée. Non, mais c'est vraiment chouette que cette techno anaglyphe fonctionne aussi bien sur Elite. Une fois qu'on l'a bien réglé, parce que vous avez vu que j'ai passé un petit peu de temps à bien régler tous les paramètres, mais une fois que c'est bien réglé, c'est époustouflant, quoi.
Regardez-moi ça. Avec la petite planète au fond à gauche là. Dans la lumière de l'étoile. C'est trop beau. Ouais, je peux faire un peu de rasmode si tu veux. Je suis persuadé sur la fracture. Voilà, pas trop non plus. Bah c'est ça, Diana. C'est ça. J'aimerais bien, punaise. Attends, je vais retourner sur la fracture. Parce que je voudrais l'observer de plus près. Regardez-moi les vagues, on dirait que ça fait des vagues. Par contre là c'est flat, hein. C'est très plat. Alors qu'on a une sensation de dune avec la 3D, la 3D Anaglyph. Ouais, c'est ici. Parce que du coup je les vois plus. Je reprenne l'altitude. Ouais, voilà, c'est là. Ah ouais, ça fait une espèce de dépression en fait. Mais on a l'impression que ça fait des fractures dans la glace. Regardez ça, c'est trop cool. Cet endroit est incroyable. Encore un autre biome, hein, complètement différent sur cette lune. On en a vu quoi, 4, 5, 6 différents là. C'est fou. Qu'est-ce que tu dis, Xan? Deviens un elfe. Et peut-être que dans 3000 ans, tu vivras en vrai. Va savoir. Si on n'a pas tous disparu d'ici là. Vu la quantité, je suis étonné de ne pas avoir vu de roulade judo sur l'une de ces collines. De quoi tu parles, Yuki? C'est vraiment une des forces d'Elite Dangereuse, ces paysages. Ils ont les couleurs et un style bien propre à Elite Dangereuse. C'est clair, c'est clair. Et encore une fois, là, on est vraiment sur une planète où on a un effet photoréalisme qui est assez présent. C'est pas forcément le cas là dans la zone arctique là, mais par moments, on a vraiment. Tout à l'heure, quand on était au sol là, au milieu des cactus, là, enfin de la zone type Far West, là, c'était assez impressionnant. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment des moments où, sur ces planètes rocheuses, hein, c'est vraiment spécifique aux planètes rocheuses, surtout de type désertique, tu as des sensations de photoréalisme qui sont assez bluffantes. Là, je sais pas où j'en suis niveau bouclier. Bah, j'ai tapé un peu tout à l'heure, mais j'ai juste tapé le bouclier. Enfin, j'espère. J'ai pas vérifié. J'allais pas vite, donc normalement ça a pas fait de. Je voudrais retourner sur le petit cratère volcanique qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, on passe à côté de la pyramide Goa'uld. Voilà. Sur la gauche. Et normalement, voilà, juste en face, on a le cratère, ou en tout cas ce qui reste, un cratère explosé. Voilà, je passe au-dessus là. Hop. Ok, ça marche, Xian. Moi aussi, faut que j'aille dormir. Je vais pas tarder. Voilà, là on passe vraiment au-dessus du cône explosé. Hop. Juste alors hein, on a du mal à le deviner. Je vais faire un demi-tour. C'est plus flagrant quand on prend un peu de hauteur. Mais c'est rare d'en voir là parce que c'est pas du tout une planète à ça en fait. Donc c'est cool que bah, c'est généré un cratère de volcan. Tu penses que c'est créé procéduralement ou ils sont. Ah, c'est créé procéduralement, ouais, complètement. Tout est procédural. Rien n'était fait à la main. Contrairement à Star Citizen par exemple. Regardez ça, on voit bien le cratère volcanique. Hein. Quand je vous dis qu'on est. J'ai l'impression d'être sur Yela, là. La planète. Au mille et un volcans sur Star Citizen. J'ai vraiment l'impression d'être sur Yela, c'est fou. En tout cas, faites beaux rêves, Xian. Et merci beaucoup d'être passé.
On voit bien le volcan à gauche là, hop, je passe voilà, juste sous mon aile gauche là. On voit bien le morceau de cratère qui a explosé. Bon bref, voilà, du coup il est quelle heure? Oh, minuit et quart, faut que j'arrête. Je me lève tôt demain. Je me lève tôt demain, il faut absolument que j'arrête. Allez, je vais me poser là. Tant pis, j'aurais pas fait de saut ce soir, mais c'est pas grave. On en aura pris littéralement plein les yeux. Et franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé. Ouais, passez une très bonne nuit, Xian. Merci à toi. Allez, on va se poser par là. Entre deux cailloux. Hop. Parfait, je peux me poser là. Sur le lac gelé. J'espère que j'ai retrouvé mon vaisseau. La prochaine fois. Qui sera pas tombé au fond du lac. Ah, il veut pas. Oui, si c'est bon. Ok. Parfait. Allez. Hop. Magnifique. Oh la lumière. Oh la lumière. Elle est trop belle la lumière. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images. Bon, c'est cool, on aura bien profité aujourd'hui par rapport à hier où j'avais mes problèmes avec mes caméras qui marchaient plus. J'ai réussi à résoudre le problème. Là, tout fonctionne parfaitement bien. Et bah, ça a été le pied. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi, ça a été le cas. J'ai bien kiffé. En 3D anaglyphe ou pas, quand on voit ces environnements-là, on n'a pas besoin de lunettes 3D pour apprécier. Hein. Et bah, pour ma part, moi, je vous retrouve demain soir sur Star Citizen. Normalement, si j'arrive à le faire tourner. J'ai un petit peu peur parce qu'apparemment, la 3.18 est active sur le PTU. Donc, on va voir. J'espère que je vais réussir à la faire tourner. Je jette juste un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas quelqu'un chez qui vous envoyer. J'ai personne qui, dans ma liste, non, j'ai personne qui stream à cette heure-là. C'est pas grave. Allez, je vous laisse là. Merci encore à tous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Hop, faites de beaux rêves. Et à demain soir, à partir de 21h. Ciao tout le monde. Je me suis régalé. C'était trop bien.